Brother Lennox. Good morning, Sister Alice. Bonjour, Maman Jay. Good morning, Mama Jay. Bonjour, ma chouette. Bonjour à tous et à toutes. Good morning to all. Un privilège de se tenir devant la présence de Dieu ce matin. A privilege to stand before the presence of God this morning. Et nous vous souhaitons la bienvenue. And we greet you all. Comme Jésus pouvait le dire à Marthe. As Jesus would say to Martha. Que vous avez choisi la bonne part. That you've chosen the good portion. J'aime souvent cette histoire dans la Bible. I love the story in the Bible. Où la Bible est en train de parler de ces 10 lépreux. And where the Bible is speaking of these 10 lepers. Ils ont été touchés, ils ont été guéris, leur vie ont été changées. They were touched and they were healed and their life were impacted. Mais j'aime l'attitude de ce lépreux qui est revenu. But I love the attitude of the one leper that came back. Il est revenu parce qu'il a constaté qu'il y avait un avant et un après. He came back because he would acknowledge the fact that there was a before and an after. Et c'est ce cœur que j'aimerais t'inviter à avoir ce matin. And this is this heart that I'd like to invite you all to have this morning. À repenser à ta semaine. And when you think back about your week. À repenser à cette année. And when you think back about this year. À repenser à cette saison. As you think back upon this season. Même si tout n'est pas parfait. Even though everything may not be perfect. Mais humblement et simplement. But humbly, just simply. Reviens. Come back. En te disant, en disant au Seigneur, merci. Saying unto God, thank you. Et c'est avec ce cœur de gratitude que j'aimerais que nous puissions élever nos voix ce matin. And it's with this grateful and this thanksgiving heart that we come back before the Lord this morning. La reconnaissance peut être différente de ton voisin. Your gratitude may be different from your neighbor. Mais j'aimerais juste que de toi-même que tu commences à lui dire merci. But I would just like for yourself to just start giving him thanks. Ce matin, je viens lui dire merci parce qu'il m'a donné la grâce de me tenir debout. This morning, I'd like to give him my thanksgiving because he has granted me the opportunity to stand up and wake up this morning. Lorsque nous dormons, nous ne savons rien. When we are asleep, we are not aware of anything. Dans nos
peuple que tu as fait du bien revient au devant de toi. Your people of which you've done some good unto have come back to draw near to you. Ce peuple que tu as fortifié tout au long de cette semaine revient au devant de toi. Your people of which you have done some good all throughout the week have come back to draw near to you. Ce peuple que tu as béni revient au devant de toi. Your people of which you have blessed have come back to you. La Bible dit goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. The Bible says, taste and see how good the Lord has been. Chacun de nous a goûté, il a vu combien tu es bon. And each and every one of us have tasted and seen how good he is. Alors nous venons te le rendre, te le rendre, te le rendre, te le rendre, te le rendre encore. And so we have come to render it and render it and render it unto thee this morning. Tu es merveilleux, Père. You are wonderful, Father. Tu es merveilleux, Père. You are wonderful, Father. Nul n'est égal à toi. No one is equal to you. Nul n'est comparable à toi. No one is comparable to you. Nul n'est comme toi, ô Père. No one is like you, O Father. Ce matin, ces sont de cœurs joyeux. And tonight, these are delighted hearts. Qui bouillonnent d'amour pour toi. That are burning with love for you. Qui vient humblement et simplement te le dire de leur façon. And that have come humbly and simply to say unto you in their own way. Que nous t'aimons. Que nous t'apprécions. And that we appreciate you. Et que nous sommes tellement reconnaissants d'avoir un père comme toi. And that we are also grateful to have a father like you. Alors reçois la gratitude de ton peuple qui monte au ciel. And so receive the thanksgiving of people that are rising before you. Reçois ces amours qui montent devant de toi, ô Père. Receive the love that is rising before you, Father. Reçois l'admiration qui monte devant de toi, ô Père. Receive the admiration that is rising before you, O Father. Reçois l'honneur qui monte au-devant de toi, ô Père. Receive the honor that is rising before you, O Father. Reçois ces enfants qui montent, qui viennent au-devant de toi. And receive your children that have come before you. Nous te bénissons. We bless you. Parce que toi et toi seul est digne. Because you and you alone. Nous sommes dans le livre du psaume 37. We are in the book of Psalm 37. Dans le cinquième verset. In the fifth verse. La Bible est en train de dire. The Bible saying unto us. Remets ta voix sur l'Éternel. Commit your way to the Lord. Confie-toi en lui. Trust also in him. Et c'est lui qui agira. And he shall bring it into pass. Ce matin, je t'invite de te confier en l'Éternel. And so this morning I'd like to encourage you to commit yourself to the Lord. J'aime cet autre verset qui parle lorsque d'autres ont des chars et d'autres de chevaux. And so I love this other verse that speaks about those who have chariots and horses. Nous n'avons que Dieu. But us, we only have God. Alors ce matin, j'aimerais que tu sois conscient et intentionnel. And so this morning I'd like you to be conscious and intentional. Et de t'abandonner au devant du Seigneur. And to surrender yourself before the Lord. En disant Seigneur, moi je n'ai que toi. I'm saying, Lord, all I have is you. Je m'abandonne à toi ce matin. And I surrender myself unto you. Si je me suis levé ce matin, je me suis habillé, je suis venu en ces lieux. So if I woke up this morning and I got dressed up this morning and I come in this place this morning. Je ne suis pas venu dire présent. I did not come here. Mais je suis venu te dire combien je t'aime. I did not come here just to be present, but I came to say that I love you. Et ces instants sont des instants pour toi. And these moments are moments made for you. Alors ce matin, je t'invite à mettre de côté tout ce qui peut t'empêcher de t'approcher devant le trône de Dieu. And so this morning, I'd like to encourage you to put aside anything that will distract you from drawing near to God. Que ça soit le souci, que ça soit, peu importe ce qui peut t'empêcher ce matin d'être concentré dans la présence de Dieu. Whether it may be a burden, whatever it may be, just put it aside so you may be conscious in the presence of the Lord this morning. Humblement et simplement, je t'invite à t'abandonner dans la présence de Dieu. Humbly and simply, I encourage you to surrender yourself before the Lord. À remettre ce moment entre les mains du Seigneur. And to leave this moment in the hands of the Lord. Et que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ces instants. And may the Lord take control of these times. Recommence ces instants.
recommend these times afin que tu sois touché par Dieu, so that you may be touched by God, et que ces instants soient des instants où Dieu va te remplir encore. And that, so that these times may be a time of which God will replenish you and fill you back up. Que Dieu va t'impacter encore. And that where God will impact you once more. Que Dieu va mettre le doigt dans ce qui il veut que cela soit changé. Ce matin, nous nous abandonnons à toi. Father, this morning we surrender ourselves unto you. Nous sommes venus te rendre un culte, Seigneur. And we have come to render unto you a service. Nous sommes venus témoigner notre admiration pour toi. And we have come to testify of our admiration of you. Ces instants sont uniquement pour toi. And these moments are only for you. Alors je te prie, Seigneur, que tu montes et que tout descende. I will, so I pray, oh Father, that you alone may increase and let everything else decrease. Que Seigneur, que tu aies le contrôle de ces instants. And that you, Lord, have control of this time. Reçois ces parfums qui montent devant de toi. Receive these essences that are rising before you. Reçois ce cœur qui monte devant de toi. And receive these hearts that are rising before you. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. And we surrender all thoughts captive to the obedience of Jesus Christ. Et que tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit qui peut nous empêcher d'être free devant ta présence, nous le neutralisons au nom de Jésus. And let every spirit of heaviness, every spirit that is contrary, let them be removed in the mighty name of Jesus. La Bible dit, lorsque le Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. The Bible says that when Christ sets you free, you are indeed free. Et ce matin, c'est un peuple libre qui se tient au devant de toi. And so this morning, these are free people that are standing before you. Nous te prions, Père, de pouvoir toucher nos cœurs et toucher nos vies. We pray to you, Father, that you may touch our hearts. Tu connais, Seigneur, chaque le statut ou chaque disposition de cœur qui se tient au devant de toi. You know every stature and every position of hearts that is before you this morning. Il y a de cœurs attristés. There is a heart that is filled with sorrow. Il y a de cœurs qui sont peut-être lourds. There is a heart that is maybe feeling heavy. Il y a de cœurs qui sont peut-être dans la confusion. There is a heart maybe that is in confusion. Il y a de cœurs joyeux. There are hearts that are filled with joy. Peu importe le statut de nos cœurs, Père, toi tu le connais. Despite the stature of our hearts, you alone, O God, you know it. Nous te prions, Seigneur, de faire ce que toi et toi seul es capable de faire. We pray, O Lord, that you and you alone may do what you alone can do. La Bible dit, dans ta présence, il y a une plénitude de joie. And in your word, you said that in your presence there is fullness of joy. Viens impacter ton peuple ce matin, Père. Come to impact your people this morning, Father. Qu'aucun de nous ne sort comme nous sommes entrés. Let no one among us leave the same as they came. Alors ce matin, nous voulons nous abandonner dans la présence du Saint-Esprit. Therefore, this morning we want to surrender ourselves in the presence of the Holy Spirit. Car il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. For he is the one who creates within us the will and the being to be able to do. Il est celui qui met en nous les paroles. He is the one who puts within us the words. Alors ce matin, j'aimerais que you lean on the Holy Spirit. Alors j'aimerais que vous puissiez vous raccrocher au Saint-Esprit. Parce qu'il est celui qui sait comment adorer le Père comme il se doit. Because he is the only one who knows how to worship the Father as we should. Nous voulons recommander ce service entre les mains du Seigneur. We want to surrender the service in the hands of the Lord. Que tout ce qui va être fait en ces lieux soit pour la gloire du Père. Let everything that will be done in this place be for the glory of the Father. Et que ça soit des parfums de bonne odeur dans chaque action et dans chaque parole qui va être sortie en ces lieux. And let it be a pleasing essence in every action or every word that will be spoken out in this place. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit ce matin. We want to be led by the Holy Spirit this morning. Alors ce matin, nous voulons lui souhaiter la bienvenue encore. And so this morning we want to greet him once more. Et nous voulons le laisser le full control de ses instants. And we want to give him all the control of this instant. Oh oui, Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Tu es désiré en ces lieux encore. Tu es désiré dans le cœur de ton peuple. In the
the hearts of your people. Saint-Esprit, tu n'as ni limite. Holy Spirit, you have no limits. Alors viens toucher, viens impacter même ceux qui nous suivent à partir de médias. So come and touch, impact those who are following us through media as well. Prends le règne, le contrôle de ces instants. Take the reign and the control of these times. Viens impacter, viens toucher, viens prendre le règne du Seigneur en ces lieux. Come impact and touch and come and reign in this place. Nous voulons être touchés, être impactés par toi ce matin. We want to be touched and impacted by you this morning. Oh, prends le règne, Saint-Esprit. Take the reign this morning, Holy Spirit. Prends le règne, prends la gouvernance de ces instants. Come and govern these times, Holy Spirit. Nous te recommandons chaque personne. We recommend every person. And we pray that let it flow. Et nous prions que tu puisses que ça puisse déverser. Let it flow in this place. Que ça puisse déverser et pleuvoir dans ce lieu. Let it flow in this place. Que ça puisse mouvoir dans ce lieu. Let it flow in this place. Que ça puisse mouvoir dans ce lieu. Let it flow in this place. Que ça puisse mouvoir dans ce lieu. Ouvre les éclipses de cieux ce matin. Open up the heaven gates again this morning. Envoie de ta pluie ce matin. And send forth your rain this morning. Déverse de ton amour, déverse de ta présence and pour ce matin. And pour out your love and your presence this morning. Prends le règne en ces temps. Take the rain in this place. Prends le règne en ces temps. Take the rain in this place. Prends le règne en cet endroit. Take the reign in this place. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. In the glorious name of Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur ce matin? Can someone help me to clap unto the Lord this morning? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à pousser le cri de joie ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Saint-Esprit en ces lieux? Est-ce qu'on peut accueillir la présence du Saint-Esprit en ces lieux? Est-ce qu'on peut accueillir la présence du Saint-Esprit en ces lieux? Holy Spirit, you are welcome in this place. Alléluia. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Tu es le bienvenu en ces lieux. Tu es le bienvenu au milieu de ton peuple. Tu es le bienvenu ce matin. Alors porte élevé vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel puissant, l'éternel redoutable, le fort dans le combat. Qui est ce roi de gloire? C'est lui qui fait son entrée ce matin. C'est lui pour qui nous sommes réunis en ces lieux. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort, l'éternel puissant, l'éternel redoutable. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix? Nous voulons dire Père, nous voulons ta gloire. Nous voulons ta gloire ce matin. Nous voulons ta gloire ce matin. En ce mois de septembre qui commence, nous voulons que ta gloire nous accompagne. Nous voulons que ta gloire nous accompagne. Nous voulons que ta gloire nous accompagne. Ce matin, nous sommes venus pour ta gloire. Nous sommes venus pour voir ta gloire. Nous sommes venus te rencontrer ce matin. Nous sommes venus pour toi ce matin. Est-ce qu'on peut lever nos voix en ces lieux? Que le ciel s'ouvre ce matin et que ta gloire descende au milieu de nous. Que le ciel s'ouvre ce matin et que ta gloire descende dans ces lieux. Que le ciel s'ouvre ce matin. Nous voulons ta gloire ce matin. Nous voulons ta gloire ce matin. Nous voulons ta gloire ce matin. Tu peux répandre ton cœur et dire je
matin. Je veux ta gloire ce matin. Je refuse de quitter les cieux tel que je suis entré. Je veux ta gloire ce matin. 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 Ta gloire ce matin. Ta gloire remplit ce cieux. La Bible me dit que les pans de ta robe remplissent les extrémités de la terre. Le pan de ta robe remplit ces lieux. Que le pan de ta robe remplisse ces lieux. Que le pan de ta gloire remplisse ces lieux. Les prochains temps, il y a la vache. Alléluia. 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 Que le pan de ta robe remplisse ces lieux. Remplisse nos vies. And fill up our lives. Hallelujah. Hallelujah. Oh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. If I have found grace before ne your me eyes, prive pas ta do gloire. Not take away your glory from me. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas. Ne me prive pas. Si j'ai trouvé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis, et si je suis bien aimé, ton bien aimé. Ne me prive pas ta gloire. 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 Moi je me donne. Oui, je me donne. Je me donne à toi, Seigneur. Sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. 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 Oh oui, je me donne. Totalement, Seigneur, je me donne totalement à toi. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire ce matin. Ne me prive pas ta gloire. Ce matin, je me donne en sacrifice. Je me donne en total sacrifice. Total abandon, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Je me donne à toi ce matin. Ne me prive pas ta gloire. Je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Je te prie, Seigneur. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Encore une fois. Oui, moi, je me donne. Oui, je me donne. Je me donne à toi ce matin. Je te donne ma vie. Je te donne ma famille, ma maison. Ne nous prive pas de ta gloire. Ne prive pas ma maison de ta gloire. Oui, je me donne. Je me donne en sacrifice. Je te donne mon cœur, ma vie, mon âme, mon esprit. Ne me prive pas ta gloire. Car tu es tout pour moi. Car tu es tout pour moi. Ne me prive pas ta gloire. Hosanna ni Yesu. Hosanna soya. Yeah. Tu es tout pour moi, Seigneur.
j'ai besoin. Ma haute retraite, mon refuge se trouve en toi. Ma joie se trouve en toi. Ma paix se trouve en toi. Ma sécurité se trouve en toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Emmanuel, éternel, Shammah, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin. T'élever ce matin, toi qui contiens tout ce dont nous avons besoin, toi qui représentes tout ce dont nous avons besoin, toi qui es l'objet de tout ce dont nous cherchons, tout ce dont nous cherchons est en toi, tout ce que nous sommes vient de toi. Alors comment ne pas t'adorer? Alors comment ne pas t'élever? Nous bénissons ton nom ce matin. Toi notre Père qui est dans les cieux. Tu es un Père pour nous tes enfants. Alors ce matin les enfants que tu as rachetés, les enfants que tu as sauvés, les enfants dont tu as pris soin, les enfants que tu as soutenus, ce matin nous venons pour t'adorer. Ce matin nous venons élever nos voix dans ta présence pour adorer ton précieux. Père, nous voulons t'adorer. Agrée l'offrande de nos cœurs. Agrée ce parfum qui monte de nos cœurs vers toi. Nous voulons t'adorer, Père. We want to worship you, Father. Alléluia. Alléluia. Les broches à taille. La broche à taille à la bouche. Répète à la bouche à taille. Les broches à taille. Les broches à taille. How
Chata. The name of Jesus.
Shata. Hallelujah. Na 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 bo shele le bo shata. Saluer ton frère ou ta sœur. Can you greet your brother or your sister? Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Say you are welcome, welcome.
welcome in the presence of the Lord. Nous voulons célébrer Yahweh ce matin. We want to celebrate Yahweh this morning. Nous voulons célébrer le Dieu qui nous a réunis. And we want to celebrate the God who has gathered us this morning. Le Dieu de toute langue. The God of all the languages. Le Dieu de toute tribu. The God of all the tribes. Le Dieu de toute nation. Of all the nations. Alléluia. Alléluia. Le Dieu vivant. Le Dieu de toute nation. Le Dieu de toute langue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris? This is who we are in you. Hallelujah. This is who we are in you. A voice made for the praise of you. Every color, tongue, and tribe will cry out to the King. And you cry out to the King. This is who we are in you. A voice made for the praise of you. Every color, His name is Yahweh.
Alléluia. Alléluia. Can we clap our hands for Jesus? He's put your praise, our God. Can we clap our hands for Jesus again one more time? Yahweh, Yahweh. Alléluia. We praise your name. Nous louons ton nom. We lift your name on high. Nous élevons ton nom. You are worthy of praise, Father. Parce que tu es digne de louange, Père. From the rising of the sun. Du lever du soleil. Yahweh, till going down, you are the same. Jusqu'à son coucher, tu es le we même. We will change, you will remain the same. Nous allons changer, mais toi, tu demeures you le même. You never fail us, God. Thank tu you. Ne faillis jamais. For your presence in our midst. Merci pour ta présence. As we approach your throne, O God. Pendant que nous nous approchons de ton trône, we lift your name on high. Nous élevons ton nom plus Church, haut. This morning we all lift our hand on high. Église, ce matin, nous allons tous élever lift nos our mains hand plus on haut. Up. I mean, we lift our hand to worship God. Nous allons élever nos mains pour louer le Seigneur. And we say God, thank you. Et nous allons dire merci, Seigneur. Thank you for your mercy. Merci pour ta miséricorde. Your grace and your goodness. Merci pour ta grâce et ta bonté. Your love and your faithfulness. Ton amour et ta fidélité. You never fail your people. Tu n'as jamais failli ton peuple. Thank you for the day you have made for us. Merci pour le jour que tu as fait pour and nous. And thank you for the presence of your spirit. Et merci pour la présence de ton esprit. Worthy you are. Tu es digne. We lift you on high, God. Nous t'élevons, Dieu puissant. As we lift our hand, O God. Pendant que nous élevons nos mains, Dieu. In reverence of you, Father. En révérence de toi, Père. Who else, God, can we worship? Qui d'autre pouvons-nous louer? You the one who has the word. Tu es celui qui a la parole. You the one who has the direction. C'est celui qui a la direction. You the one who taking care of us. Tu es celui qui prend soin de nous. Yeah, we receive the praise again this morning. Yahweh reçoit encore l'honneur ce matin. Receive the adoration, oh Father. Reçois l'adoration ce matin, Père. You are faithful, Father. Parce que tu es un Père fidèle. Thank you. Merci. Well, beloved, back again in the house of God this morning. Bien-aimés, nous sommes encore de retour dans la maison du Seigneur ce matin. The place that we belong. L'endroit auquel nous devons être. We are back in His presence. Nous sommes de retour dans sa présence. Him alone deserves the glory this morning. Lui seul est digne de louange. I am grateful to be in the house of God this morning. Je suis reconnaissant d'être dans la maison du Seigneur ce matin. As we all approach in this time. Pendant que nous nous approchons tous de ce temps, we need again, we want again to reverence God. Nous voulons encore rendre la révérence and give à him Dieu all the praise and the glory that belongs to him. Et lui rendre toute l'honneur et la gloire qui lui appartient. It is a time to honor him through communion. C'est le temps de l'honorer à travers la communion. And the scripture says, do this as often as you do it. Et les Écritures disent que aussi souvent que vous allez le faire, in a remembrance of him. En vous souvenant de lui. This morning we come to honor him again. Ce matin, nous venons pour l'honorer encore. As he recommended us to take communion. Parce qu'il nous a recommandé de prendre la communion. Communion is a sacrament, beloved. La communion est un sacrement bien. Those are the ordinances that God has given to us. C'est une ordonnance que Dieu nous a donnée. We will all get ready to partake together. Nous allons tous nous préparer pour prendre part à cela. And the Lord, to take the Lord's supper. Et nous approcher et prendre le souper de Dieu. He is worthy of praise, our God. Il est digne de louange, notre Dieu. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. All together we bow our heads and we confess our sin before His throne. Tous ensemble, nous allons fléchir nos têtes et nous allons confesser nos péchés. The Bible says if we confess our sin. La Bible dit que si nous confessons nos péchés. Our God is a faithful God. Notre Dieu est un Dieu fidèle. And is indeed the righteous God. Et il est un Dieu juste. To forgive us from all our iniquities. Pour nous pardonner de toutes nos iniquités. As we approach him this morning. Pendant que nous l'approchons ce matin. We ask him to forgive us. Et nous lui demandons de nous pardonner. Sin that we committed secretly or publicly. Les péchés que nous avons commis secrètement ou publiquement. The sin that we committed, oh God, in our thoughts or our actions. Ce que nous avons commis par nos actions ou par nos pensées. The thing that we conceive in our mind. Les choses que nous avons conçues dans nos pensées. The words that came out of our mouth. Les paroles qui sont sorties de notre bouche. The action that we pose, Father. Les actions que nous avons posées. All that we have done contrary to your will, Father. Tout ce que nous avons fait qui était contraire à ta volonté, we come Père. To bow before your presence. Nous venons fléchir devant ta présence. Lord, may you forgive us again this morning. Père, pardonne-nous encore ce matin. We acknowledge our weaknesses, God. Nous reconnaissons nos faiblesses. We acknowledge our sin.
Nous reconnaissons nos péchés. We have sinned against you, God. Nous avons péché contre toi, Dieu. We bow in your presence this morning, God. Nous fléchissons devant ta présence ce matin. Forgive our families, God. Pardonne nos familles. Forgive the church, oh Father God. Pardonne l'église. Men and women that are taking your work lightly, Father. Que les hommes et les femmes qui prennent ton travail forgive à la légère. Forgive us, Lord, this morning. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. As you cleanse us through your blood. Pendant que tu nous laves à travers ton sang. As you sanctify us through your blood. Pendant que tu nous sanctifies à travers ton sang. Beloved, we'll all get ready to take this time of this communion, a time of a blessing that the Lord has made for you and I. Bien-aimés, nous allons nous préparer à prendre ce temps de bénédiction que Dieu a préparé pour toi et moi. The Apostle Paul said many took it lightly and they suffered for it. L'apôtre Paul a dit que plusieurs l'ont pris à la légère et ils ont souffert pour cela. But those who take it right, they also are blessed. Mais ceux qui l'ont pris d'une bonne manière ont aussi été bénis. And this morning we will be all blessed by taking the communion. Et ce matin nous allons tous être bénis en prenant part à la communion. Any act of obedience carry on a blessing. Tout acte d'obéissance qui va apporter la bénédiction. This morning all together. Ce matin tous ensemble. The scripture said the Lord Jesus Christ on the night which he was betrayed. Les écritures disent que le Seigneur Jésus la nuit où il a été trahi. He took a bread. Il a pris le pain. And when he had given thanks, he broke it when he had given thanks. Il a brisé et l'a rendu grâce. He broke it and said this. Il a brisé en disant ceci. This is my body. Ceci est mon corps. Which is for you. Qui est pour vous. Do this. Faites ceci in remembrance of me. En mémoire de moi. Father, Père, we are grateful to take this body of yours. Nous sommes reconnaissants de prendre ton corps. Broken for our sin. Qui a été brisé pour nos péchés. Today we pray that as we take this communion, oh God. Aujourd'hui nous prions que pendant que nous allons prendre cette communion, healing will be granted to us, oh Father. Que la guérison va nous être accordée. Deliverance will be given unto us. La délivrance va nous être accordée. May you bless us through this act of obedience, Father. Que tu nous bénisses à travers cet acte d'obéissance. As we all take in the name of Jesus. Pendant que nous le prenons tous dans those le who nom are sick de shall receive a healing, Father. Pour ceux qui sont malades, Père, qu'ils reçoivent those la guérison. Those who have been oppressed will be delivered, Father. Ceux qui sont oppressés, qu'ils soit délivré. Those who are traveling a journey of a pain, God shall receive the relief. Ceux qui passent par une journée de douleur, qu'ils soient guéris. We pray in the name of Jesus. Nous prions dans le nom de Jésus. Let all take in eat in the name of Jesus. Nous allons tous se prendre dans le nom de Jésus. After supper, he took the cup and saying, après le souper, il a pris la coupe. This cup is a new covenant. Cette coupe est une nouvelle alliance. In my blood. Dans mon sang. Do this as often as you drink it. Et aussi souvent que vous allez y boire. In remembrance of me. En vous souvenant de moi. For every time you eat this bread and you drink this cup. Parce qu'à chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. You are proclaiming the Lord's death. Vous proclamez la mort du Seigneur until he comes. Jusqu'à son retour. Father, we thank you for your blood. Père, nous te disons merci that pour ton was sang on Calvary. Qui a été versé à la croix. And sanctify and redeem us, God. Sanctifie, Seigneur, et rachète-nous. Thank you, Father. Merci, Père. As we take this, oh Father, this morning. Pendant que nous prenons ceci ce matin. The scriptures say you are the Lamb of God. Les écritures disent que tu es l'agneau. Who shall remove the sin of this world? Qui va enlever le péché de ce monde? May you remove all that are standing before us, God. Enlève tout ce qui se tient devant nous. All that are blocking our journey, Father. Tout ce qui bloque notre all chemin. All that are troubling our soul, Father. Tout ce qui trouble notre âme. May your cleansing blood wash us again this morning, Father. Que ton sang lave ce matin, Seigneur. May your cleansing blood purify us this morning.
Que ton sang purifie ce matin. May your cleansing blood sanctify us in this morning. Que ton sang sanctifie ce matin. Erase the condemnation of the enemy, Father. Efface la condamnation de l'ennemi. The accusation of the wicked, Father God. L'accusation de méchants. Yahweh, we pray in the name of Jesus. Yahweh, nous prions dans le nom de Jésus. As we drink together. Pendant que nous le prenons ensemble. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Let us all drink. Nous allons tous prendre. Amen. Amen. Thank you so much, musician and present worship. Can we give them the clap? Give them some, show them some love. Come on, that was not good. I want a good one. Si on peut les applaudir mieux amen, que ça. Amen, amen. Can we do better? Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Amen. Amen. Thank you so much, musician. Thank you. Thank Merci you so much. Les musiciens. Merci. Amen. You guys are look quiet. Vous avez l'air très calme. And I know sometimes it's morning time, but it's already 11. We're getting close to 12. Je sais que des fois c'est le matin, mais nous nous approchons déjà de l'heure du midi. Amen. Amen. Well, I'm glad to be back home. Bless je you, my daughter. Bless you. Bless maison, you. Bénis ma fille. Amen. I am very happy to be at home. Who's happy to see me back home? Qui est content de me voir de retour à la maison? Come on. Who's happy to see me home? Qui est content de me voir de retour Amen. À la maison? I feel like taking my plane back again because I don't see the love. Je ne vois Who's pas l'amour, alors je me dis back que je dois rentrer. Back. Amen. Alléluia. Amen. Amen. I'm grateful to be in the house, Denise and I. Je suis reconnaissant d'être à la maison, moi we, et maman we Denise. We thank you so much. Nous vous remercions beaucoup. We follow you close from far. Nous vous avons suivi de près, de loin. Very far. De très loin. And we were with you as we see your faithfulness. Et nous étions avec vous lorsque nous voyons aussi votre fidélité. I want to take this time to say thank you to the pastoral team. J'aimerais prendre ce temps pour remercier l'équipe pastorale. Can we give them a clap of offering now? Come Est-ce on, come on, come on, the pastoral team. Amen. Amen. And I want to thank also all the leadership of the church. Come on, somebody give Et God a thanks. J'aimerais aussi remercier tous les leadership de l'église. For the leadership of our church. And I want to thank God for you guys, all the church, the members, the faithful people of the house of righteousness. Can vous, we give God a thanks? Amen. 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 I am grateful to be back in the house. Je suis reconnaissant d'être de retour dans la maison. 3 weeks away from home. 3 semaines loin de la maison. And I tell you that you can feel that you're missing house, you're missing your people. Et je peux vous dire que vous pouvez sentir comment vous, votre peuple vous manque. But I learned one thing. Mais j'ai appris quelque This chose. This work belongs to God. Que cet endroit appartient à Dieu. It does not belong to Daniel. Ça n'appartient pas à Daniel. It belongs to God. Mais ça appartient à Dieu. Whether I'm here or not, que je sois ici ou non, you will carry on the journey. Vous allez continuer avec le That travail. Is my joy. C'est ça ma Can joie. We give God a praise again Est-ce together? Qu'on peut acclamer encore le amen, Seigneur? Amen, 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 amen. Our God is faithful. Notre Dieu est fidèle. You know why I tell you something before I preach? I will preach vous savez, shortly. Je vais vous dire quelque chose avant de prier. I know you're a faithful scholar. You always follow the things. But I want to talk a little bit. Just tell you something I observe. Je vais vous dire seulement quelque chose que j'ai observé avant de commencer If avec you la can parole. Stay 14 hours in the plane. Si on peut rester 14 heures dans un avion. We can stay 2 hours in the church. On peut rester donc 2 heures dans l'église. If you can say, can sit in the plane 14 hours, 14. Si vous pouvez rester assis dans un avion pendant 14 heures. The plane that has been held by nobody, nobody's holding it. Cet nobody. Avion n'est pas soutenu par personne. 14 hours. 14 heures. You can be in the church for 2 hours. Vous pouvez donc être dans l'église pour 2 heures. If you can be on the sea for 10 days. Si vous pouvez être sur les eaux pour 10 jours. I was in the ocean for 10 days. How many? 6-7 days. Just give him back the day you want to give. I was gone for 10 days. J'étais sur l'eau pendant 10 jours. And I see the power of the sea. Power. Et j'ai vu la puissance de l'eau.
A boat that are carrying 5,000 people. Un bateau qui avait à peu près 5,000 personnes. Small in the sea like this. Et c'était petit comme ça dans les eaux. And you see the huge, the humongous, the beauty and the greatness of the sea. Et on pouvait voir la beauté des eaux, la grandeur des eaux. Every night I will come out, I will go up, I will come up on my balcony. I had a balcony. What do you call it, Colleen? Help me here. Balcony. I have a balcony. J'avais un balcon. And I will come up from my room in the boat. Et je sortais de ma chambre. And I will hear the roaring and the power of the sea. Et je pouvais ressentir la puissance de l'eau. And I will say how great you are, God. Et je disais comment bon tu es, Seigneur. If somebody will not worship God because he has decided to do it. Si quelqu'un ne va pas louer le Seigneur simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas le faire. I have the awe of God, the fear of God more than you can imagine. J'ai maintenant plus la crainte de Dieu plus que vous pouvez imaginer. When I see the power of the sea. Lorsque j'ai vu la puissance de l'eau. And I can see the water in the night battling the sea, the boat. Et je pouvais voir l'eau qui se battait avec le bateau. Big that the boat was, 5,000 people. Aussi grand que le bateau était avec 5,000 personnes with à l'intérieur. More than 10,000 luggage. Il y avait plus de 10,000 bagages. How can I not worship God? Comment je ne peux louer le Seigneur? And every time I come to church, I see God. You know, people are just too much. Et quand je viens à l'église, je vois seulement que les gens font un peu de trop. Because they haven't seen you yet. Parce qu'ils ne t'ont pas encore vu. And I was in the sea, on the water. Et j'étais sur les eaux. Admiring the beauty of the work of God. Et j'admirais la beauté de l'œuvre de Dieu. I even learned to understand this Natalie. Et j'ai même appris comment dire ceci. When the songwriter said this. Lorsque l'écrivain dit ceci. When I see the wonder of your hand. Lorsque je vois les merveilles de tes mains. And consider the work that your hand have made. Et je considère l'œuvre de tes then mains. Then sing my soul. Alors mon âme chante. How great are you, God? Comment grand tu es, Dieu. Only when you get there. Seulement lorsque tu arrives là. I am grateful to be in the house. Je suis reconnaissant d'être but dans I'm la maison. Happy to see what I haven't seen yet. Mais je suis aussi heureux d'avoir vu ce que j'ai vu. Beloved, if you can stay on the sea, you can be in the church. Bien-aimé, si tu peux rester dans les eaux, donc tu peux être dans l'église. Every night my prayer was God, please let the boat dock somewhere. Let chaque the boat nuit dock. Ma prière était Seigneur, laisse que le bateau puisse accoster quelque part. Because the last time I read the story of the boat. Parce que la dernière fois que j'ai lu l'histoire d'un bateau. 12 men were crying in the boat. 12 hommes étaient en train de pleurer dans le bateau. I tell God, please keep the boat. Every time we dock somewhere, we stop somewhere, I'm happy. Je disais, Seigneur, garde le bateau et à chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part, j'étais heureux. We stop in Jamaica, we stop in Mexico, we on stop s'est arrêté at Cayman, au Jamaïque, au Mexique. And Cayman Island, I believe. Et nous sommes allés dans une île. It was just great to see the wonder of God. C'était seulement merveilleux de voir les merveilles I want de to tell Dieu. Somebody if you haven't worshiped God yet. Je veux dire à quelqu'un si tu n'as pas encore loué le Seigneur. You're missing the boat. Tu es en train de manquer ton bateau. I didn't miss my boat. I was in the boat. Je n'ai pas manqué le mien. J'étais dans so le bateau. So I want to encourage you to worship God. Alors j'aimerais vous encourager à louer le Seigneur. So I went to the other end of the world. The alors other. Je suis allé à l'autre bout de la terre. And I came back to Canada. Et je suis revenu au Canada. And I take another plane to Dubai. Et j'ai pris un autre avion pour aller vers Dubaï. And they told me you will sit in the plane for 14 hours. Et on m'a dit vous allez rester dans l'avion pendant 14 heures. 14 hours I asked them. 14. J'ai dû reposer la question, j'ai dit 14. What I will be doing in the plane for 14 hours. Et dit qu'est-ce que je serai en train de faire pendant 14 heures dans un avion. So you know all my trip. Alors tout mon voyage. Mama Denise will watch a lot of movies. I said, I want to watch where we're going. Mama Denise regardait beaucoup de films, mais moi je me suis dit je veux voir là où nous sommes en train de partir. I will watch the map. You know the map in the. Alors j'ai dit j'ai regardé le map. And I see the plane is just doing like this. Et je voyais seulement l'avion qui était en train d'avancer. So I saw we came from the edge of the world. We came, just like I'm telling you, Nadi. This is the globe showing me where we came from, right here, and the sea is there. Alors right le here. Globe me montrait d'où est-ce qu'on a quitté et là où il y avait l'eau et là où on part. I learned some geography, Pastor Josca. J'ai appris de la géographie, Pastor Josca. I see the plane leaving Ontario, leaving Toronto. J'ai vu l'avion qui quittait Toronto. And travel down like going to Winnipeg. Et ça
ça allait comme si ça allait vers Winnipeg. And crossed the ocean, crossed the sea. Et on a traversé l'océan. And went to Europe. On est allé en Europe. And I can tell the map. I can tell. I have a picture of it. J'ai dit, j'ai une photo de cela. Je peux le dire. We passed London. On est passé sur Londres. We passed Madrid. On est passé sur Madrid. And then we went down to Rome. We can tell we passed. Et on est passé par Rome. And then I see we passed by Jerusalem. Et on est passé par Jérusalem. To Dubai. Jusqu'à Dubaï. You know, when we talk about wilderness, I learned wilderness. I went to the desert. Lorsqu'on parle du désert, je suis allé au désert. That's why I want you to begin worshiping God just for the work of creation. C'est pour ça que j'aimerais seulement qu'on loue le Seigneur seulement pour l'œuvre de la création. Just look at the work of creation. Juste en regardant l'œuvre de la and création. And begin to worship God. Et commence à louer He le Seigneur. He is so great that sometimes you just miss the boat. Il est tellement bon que des fois on manque seulement le bateau. Mama Denise and I, we were in the desert. Mama Denise et moi, on était dans le désert. We went to Abu Dhabi somewhere. Ils sont allés à Abu Dhabi. Thank you so much, Abu Dhabi. Thank you, my daughter. We went to Abu Dhabi. Ils sont allés à Abu Dhabi. And as was we driving, we just enter Abu Dhabi. Et pendant qu'on conduisait, on est entré dans Abu Dhabi. And we have a hell of a storm of dust. Il y avait une tempête de sable. Here in Canada, it's snow. Ici au Canada, c'est la neige. The dust, you cannot see all the drive, all the car pulling up. Toutes les voitures étaient en train de sortir de la route. The wonder of God. Les merveilles de Dieu. For the first time. Pour la première fois. There was a rain in the desert. I see rain coming down. Il y avait la pluie dans les déserts. Oh, the beauty of the work of God. La beauté de l'œuvre de Dieu. Creation alone can give you the opportunity to worship God. La création alors vous donne l'opportunité de louer le Seigneur. I want to just say this before I take my message. I bless you. We will be quick here. J'aimerais seulement dire ceci avant que je vous bénisse avec la parole. God is wonderful. Dieu est merveilleux. What God has created, you haven't seen it yet. Ce que Dieu a créé, vous n'avez pas encore vu. But I want to talk to Christian a little bit this morning. Mais j'aimerais parler aux chrétiens un tout petit peu ce matin. I visited the biggest mosque in Abu Dhabi. J'ai visité un des plus grands mosquées d'Abu Dhabi. It's so huge, beloved, huge. Like, I cannot even explain to you. C'est tellement grand, bien aimé. But what I learned from those people. Mais ce que j'ai appris de ce peuple. From the Muslim brother, what I learned. De nos frères musulmans, ce que j'ai appris. Order and discipline. L'ordre et la discipline. Church, we need order and Église, discipline. Nous avons besoin de l'ordre et de la the discipline. The day we get those two things. Le jour où nous allons obtenir ces deux choses. We will do great, I tell you again. Nous allons faire de plus grandes choses. Order and discipline. L'ordre et la discipline. As we enter to Abu Dhabi mosque. Pendant que nous sommes entrés dans la mosquée de Abu Dhabi. They say Mama Denise won't come in. On a dit que Mama Denise ne pouvait pas entrer. I say she's my wife. We J'ai forget. Dit mais c'est ma femme. On est ensemble. She need to cover herself. On a dit elle doit Church, se couvrir. Church, learn to cover yourself. Église, apprenez à vous couvrir. I have to buy clothes for her to dress. Je devais acheter quelques habits pour qu'elle puisse le mettre pour She se couvrir. To cover her hair, cover her neck, elle devait couvrir her body, sa tête, cover her feet, cover everything. Ses pieds, They want to son see cou. Nothing. Ils ne voulaient rien voir. And once again, they don't want me to touch my wife. Nobody touch it. Female don't touch male in the mosque. Et you don't touch une autre chose, c'est que la femme n'était pas permis de toucher son homme dans le mosquée. We won't have it here. We will stay the way we are. On n'aura pas ça ici. On va rester tel que nous sommes. No, we will not, because Jesus breaks some boundaries here. Parce que Jésus a amené quelques limites. But the beauty is discipline and order. Mais la beauté était la discipline et l'ordre. They respect their mosque. Ils respectaient leur mosquée. More than anything. Plus que toute autre chose. No shoes. Pas de chaussures. No cell phone. Pas de téléphone. Somebody tried to take a phone, a picture of. Quelqu'un essayait de prendre une photo. Her and hugging her brother. En train de donner un accolade à son frère. A security guard came. La sécurité est venue. Delete this picture. Delete it right now. On l'a dit, efface cette photo maintenant. But delete the picture. Ils ont effacé. Church. Église. I don't want you to be like the other side. Je ne veux pas que vous soyez comme l'autre côté. Begin to reverence God. Mais commencez à donner de la révérence à Dieu. He will bless you more. Il va vous bénir plus. Amen. Amen. Then we took another 14 hours. Et on a pris encore un autre 14 heures. He come back home. Pour retourner à la maison. I'm grateful to land a long trip.
Je suis reconnaissant d'avoir atterri. C'était un long voyage. Even though my luggage disappeared, I didn't have seen my luggage for 10 days now. More than almost 2 weeks now. Même si ma valise a disparu, je n'en ai pas eu pour 10 jours. The person who has it enjoying what is inside. La personne qui l'a est en train de se réjouir de ce qui est à l'intérieur. We just pray to God be the glory. Nous prions seulement au Seigneur que la gloire soit lui. Thank you. That was a summary of my trip. Et ça, c'était le résumé de mon voyage. But let's go back to the business. Alors, nous allons retourner à notre business. I thank God for you. Je remercie le Seigneur. Can you clap for God? God, not for pastor. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Dieu? Amen. Amen. Well, we are grateful. Thank you. Nous sommes reconnaissants. Thank you for all that we did here. Merci pour tout ce que nous faisons ici. I'm very happy, you know. Je suis très heureux. But I want to tell you something. Mais je vais vous dire quelque chose. A man went to God and said, God, how come my blessing seems to take a long time? Un homme est allé à Dieu, il a dit, Seigneur, comment est-ce que ma bénédiction prend du temps? God asked him, how's your schedule in the church? Et Dieu lui a posé la question, comment est ton horaire dans And the man said, I rotate, I come one Sunday in a month. Et l'homme lui a dit, je viens une fois un dimanche par mois. God said, the day you're missing is the day I'm bringing your blessing. Alors le jour où tu manques, c'est le jour and où j'amène ta bénédiction. And the angels are going back to the blessing. You and I, you are meeting. Alors les anges rentrent avec la bénédiction. Every time you miss a day. Et chaque fois que vous manquez une journée, it is the day the angels are shaking the water. C'est une journée où l'ange est en train de secouer l'eau. I want to encourage you to come to church every Sunday. Je vais vous encourager à venir à l'église tous amen, les dimanches. Amen, amen, amen. We all stand together. We take our Bible. Grateful to see Richard. Nous God allons nous bless tenir you. Debout, thank you so much. Prendre nos Bibles, reconnaissant de voir. We take our Bible all together. Nous allons prendre nos Bibles ensemble. Open in the book of Isaiah chapter 41. Et nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 41. You're too quiet. Come on, give God a vous thanks êtes très in the house. Calme ce matin. Isaiah 41. Ésaïe 41. We only read one verse for now. Nous allons lire un seul verset pour maintenant. But I will encourage you to read Isaiah 41. Mais je vais vous encourager à lire Ésaïe 41. Because it's a scripture that will carry us on for the month of September. Parce que c'est un chapitre qui va nous conduire durant tout le mois de septembre. I will read with you Isaiah 41 verse 10. Ésaïe 41 verset 10. Je so l'ai dit do avec not vous. Fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Another version said this. Behold, the Lord God comes with might, and his arm rule. For him, behold, his reward is with him, and his recompense before him. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. For this message. Pour ce message. May you bless us even now. Bénis-nous même maintenant. As we go through this passage. Pendant que nous allons passer à travers ce passage. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So Isaiah 41 verse 10. I'm sorry, 41 verse 10. Ésaïe 41 verset 10. So do not fear or do not be afraid. N'aie pas peur. For I am with you. Je suis avec toi. Do not dismay. Ne regarde pas autour de toi. For I am your God. Parce que je suis ton Dieu. I will strengthen you. Je te rends fort. And I help you. Et je viens à ton secours. Thank you. You may be seated. Thank you. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Yeah. I jumped to another verse that was farther what I prepared. Okay. Thank you so much. And I realized that after. So all the month of September. Alors tout le mois de septembre. We started a new theme. Nous avons commencé avec un nouveau thème. The theme is simple as this. Le thème est simple comme ceci. Never alone. Ne jamais seul. Never alone. Jamais seul. All the month of September, the theme is never alone. Tout le mois de septembre, notre thème sera jamais seul. I want to speak to someone and remind someone that the month of September is a very critical month. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le mois de septembre est un mois qui est très critique. Why? Pourquoi? Because it's a time of giving birth. Parce que c'est le temps où on donne naissance. It's a due time. C'est le temps qui est dû. It's a due month.
C'est le mois où on est dû. Every time a woman are getting ready to give birth. À chaque fois qu'une femme est prête pour donner naissance. It's a very critical time. C'est un temps très critique. Because it can imply a lot of things. Parce que ça peut impliquer plusieurs autres choses. It can cause a death. It can cause also a lot of problems. Ça peut causer la mort ou plusieurs autres problèmes. Time of giving birth. Le temps de donner naissance. It's considered a dangerous time. C'est considéré comme un temps très dangereux. Because a lot of transactions take place. Parce que plusieurs transactions prennent place. The first time I entered the delivery room. La première fois que je suis entré dans la salle d'accouchement. My wife was giving birth with our first child. Ma femme donnait naissance à notre premier enfant. And I saw so many people in that room. Et j'ai vu plusieurs personnes dans la pièce. And I was concerned. Alors j'étais concerné. Why those people? Too many people in the room for et one. My wife. Et je me suis posé la question pourquoi il y avait plusieurs personnes. There were lab people in the room. Il y avait des gens de laboratoire. There were nurses in the room. Il y avait des infirmières. There were almost everybody doctors. There's so many people. Il y avait des docteurs. Il y avait plusieurs personnes. When you're about to give birth. Lorsque vous allez donner naissance. All those people have to be there for just in case something goes wrong. Tous ces gens-là doivent être là juste au cas où quelque chose ne va pas it bien. It takes a lot of a crew or team just for the delivery. Ça prend une grande équipe seulement pour l'accouchement. Because it's considered to be a critical time. Parce que c'est considéré d'être un temps critique. And they don't want to lose anybody. Alors ils ne veulent pas perdre personne. They don't want to lose the mother or the child. Ils ne veulent pas perdre la mère ou l'enfant. So the provision are made to cover all. Alors la provision est faite pour tout couvrir. Just in case things are not working well. Juste au cas où quelque chose ne va pas. So the month of September. Alors le mois de is septembre. Is the 9th month of pregnancy. C'est le 9e mois de la as grossesse. As we are getting ready to give birth. What God has placed in us. Pendant que nous nous préparons à donner naissance à ce que Dieu a it placé en nous. It becomes a critical time. Alors ça devient un temps critique. A time when some will give up. Un temps où quelqu'un va, d'autres vont abandonner. Sometimes they encourage the lady, the mother, go ahead, push and try. Et des fois on encourage la mère, pousse, continue. Because it's not an easy time. Parce que ce n'est pas un temps facile. We can hear the cry and the pain. On peut entendre les cris et la douleur. But the end result. Mais le résultat final. Are always beautiful. C'était toujours beau. So I want to encourage someone this. Alors je vais encourager quelqu'un durant ce do mois. Do not be disturbed. Ne sois pas distrait. No, do not get into distraction. I mean. Ne sois pas dans la distraction. Because it's the month of great things. Parce que c'est le mois de grandes choses. Things will happen. Les choses vont se passer. Somebody say, Pastor, it's almost 3 months to go to the end. Quelqu'un a dit, Pasteur, il nous reste 3 mois vers la fin. But I want to remind you this. Mais je vais te rappeler ceci. It is a time you need to get ready for the blessing. C'est le temps où tu dois te préparer pour la bénédiction. So all the month of September. Alors tout le mois de septembre. We will be focusing in Isaiah 41:10. Nous allons focaliser dans le livre d'Ésaïe 41. And we say the theme is never alone. Et on a dit que le thème est jamais seul. Beloved, we are created never to be alone. Bien-aimés, nous sommes créés pour ne pas être seuls. No, we are not created to be alone. Nous ne sommes pas créés pour être seuls. Every time you are alone. Et chaque fois que tu es seul. Things happen. Les choses arrivent. We see in the Bible the story of the Bible. On a vu dans les Bibles dans les histoires. After God created Adam, He said it was not good for the man to be alone. Après que Dieu a créé Adam, il a dit que c'était pas bon que l'homme soit so seul. So we see that we are created to work together. Alors on voit qu'on est créé pour travailler ensemble. We were created to be together. On a été créé pour être ensemble. We were created to be with our God. Nous on a été créé pour être avec notre a Dieu. A human being without God. Un être humain sans Dieu. Is like a fish out of the water. C'est comme un poisson à l'extérieur de l'eau. You will not last longer. Tu ne vas pas durer longtemps. So you need to have God on your journey. Alors tu dois avoir Dieu dans ta marche. Beloved, this journey of life required God. Dans ce chemin de la vie, nous avons besoin we de Dieu. We need Him. Nous avons besoin de lui. Even when you pretend to not need Him, you need Him. Même lorsque tu prétends ne pas avoir besoin de lui, you tu need as him besoin to de breathe. Lui. Tu as besoin de lui you pour need respirer, him to live. Pour vivre. You need God. Tu as besoin so de we Dieu. Will talk about never alone. Alors nous allons parler d'être jamais seul. And that will lead us to other theme as we go through the month. Et ça va nous conduire à d'autres thèmes pendant que nous allons durant but le mois. But let me go back to Isaiah 41. Alors je rentre dans Ésaïe 41. As I meditated on this passage. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage. What I love about this passage. Ce que j'aime de ce passage. The book of Isaiah is a powerful book. Le livre d'Ésaïe est un livre très puissant. And
as you read it yourself, et pendant que tu le lis toi-même, you begin to understand what it's about. Tu commences à comprendre c'est à propos de quoi. In the King James version of the Bible, convey a message of hope here. Dans la version de King James, c'est un message d'espoir. They're talking about a message of hope and assurance. Ça parle d'un message d'espoir et d'assurance. God is assuring the people of Judah. Dieu est en train d'assurer le peuple de Juda. Emphasizing the strength and the sovereignty of God. En train de marteler sur la force et la supériorité de Dieu. He's talking about the strength of God. Il parle de la force de Dieu. And the sovereignty of God. Et la souveraineté de Dieu. I want to bring you back to understand this. Je veux vous ramener à comprendre ceci. You know, it comes time in life where you question yourself. Vous savez, il arrive un moment dans la vie là où tu te questionnes. To a point that you begin even to doubt. Et arrivé même à un point où tu es en train de I heard somebody say, Pastor, I don't know if I'm the right way. I'm on the right way. Quelqu'un m'a même dit, Pastor, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. And say, I don't know even if I'm doing what is good. Je ne sais même pas si je fais ce qui est bien. It comes a time in life you begin to question your journey. Il arrive à un moment dans la vie où tu commences à te questionner. Sometimes you wonder if you are doing good. Des fois tu te poses la question, est-ce que tu fais des bonnes choses? And you begin to question yourself to a point that you question. Questioning God as tu commences well. À te questionner. Tu arrives à un point même où tu I don't know about you, but many of us have been to that venue. Je ne sais pas pour toi, mais plusieurs d'entre nous sont passés par you cela. Begin to say to yourself, tu commences à te dire, Am I problème, really doing good? Est-ce que vraiment je Am fais I bien? On the right way? Est-ce que je suis dans Am le I bon acting chemin? Right? Est-ce que j'agis bien? What's going on with me? Qu'est-ce qui se passe And avec we moi? To that place in life. Et on arrive dans cette vie. And sometimes, et des fois, that wages of doubt, le that poids pressure, de Yeah, that, I like that. That weight of doubt. Le poids de ce doute. Begins slowly to push you astray from God. Commence à te pousser lentement loin de Dieu. I know I have a witness here. Je sais que j'ai un témoin ici. That you are questioning God. Que tu es en train de questionner Dieu. You are questioning your journey. Tu es en train de questionner ta vie. You are questioning the things that you are living. Tu es en train de questionner Some les choses are questioning par lesquelles even tu the marriage. Vis. Certains questionnent They're questioning the children. They're questioning what's going on. Qu'est-ce qui se passe? So many things that you're not sure about. Plusieurs choses auxquelles tu n'es pas sûr. That is the reality of life. Ça, c'est la réalité de la vie. You see, the things of Christians today, vous savez, les choses des chrétiens aujourd'hui, we live by faith. Nous vivons par la foi. When you ask them how you're doing, lorsque tu lui poses la question comment Praise tu vis, the Lord, all is well. Praise the Lord, tu dis, gloire au Seigneur, tout it's va not bien. Bad. It's not bad at all. Ce n'est pas mauvais. It is a statement of faith. C'est un témoignage de foi. But when you go down, you sit down. Mais lorsque tu vas t'asseoir, when you check the present well, all is well. Et tu commences à regarder and tout you va see bien. The real life. Et tu regardes à la réalité. You got that sense of fear. I don't know about you. Tu as cette sensation de peur. Je ne sais pas pour vous. How tomorrow will be? Comment demain va être? How can I handle the situation that I'm going through? Comment je peux passer par cette situation? Is it this problem really will find a way? Est-ce que vraiment ce problème va trouver un And moyen? And sometimes we don't know how to say it. Et des fois on ne sait même pas comment le dire. And most of us will stay quiet. Et plusieurs d'entre nous allons rester And calmes. And we will seems like everything is fine. On va donner l'impression que tout va bien. But inside down we are suffering. Mais au dedans de nous sommes en train de souffrir. Sometimes you don't have a full sleep. Et des fois tu ne dors même pas complètement. You will turn in your bed, you wake up, you wonder, bill to pay, children to look after. Tu es en train de tourner dans All ton the lit, problem, dans ton lit, en train situation. De penser aux factures, so, so aux enfants, things that la are maison, happening. Plusieurs choses qui arrivent. Thank God for morning. Morning is a good time. Merci à Dieu pour le matin, parce que le matin c'est une bonne chose. Morning help you to put on your nice clothes and to put your makeup and go on Parce your que street. Le matin t'aide à te réveiller, t'habiller bien. But nighttime there's no makeup. No makeup in the nighttime. If you wake up in the nighttime, Parce que la nuit, il n'y a pas de maquillage lorsque tu te Run réveilles. Run to the mirror, you will see your real situation. Lorsque tu vas devant un miroir, tu vas te so voir le vrai toi. The pain is real. Alors la douleur est vraie. Pastor, where are you bringing us this morning? Pasteur, qu'est-ce que tu nous amènes ce matin? Listen, before I give you the message, I wanna bring it to the real world. There's a real Avant world. Que je vous donne un message, je vous amène dans le vrai monde. My wife said to me when we came back, we went to the pier and said we're back to the real world. Ma femme m'a dit lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport que nous sommes de retour dans le vrai monde. We used to have three meals. There. On avait trois repas par jour. Morning. Le matin, noon and night, l'après-midi et le soir. We eat well. They treat us as queen. On nous a bien traités comme des rois. Queen and king, I mean. Roi et reine. And when we get back to the real world, et lorsque nous retournons à la réalité, I can see myself. Je peux me voir moi-même. And I can see all that is in front of me. Et je peux voir tout ce qui est devant moi. Life is real. La vie est réelle. Right, life is not what you're hearing.
La vie n'est pas ce que tu entends. Life is exactly what you see. La vie est exactement ce que tu vois. But I want to encourage you this morning. Mais je veux vous encourager ce matin. As I lead you to the scripture. Pendant que je vous conduis dans ces écritures. Listen, in Isaiah 41. Dans Isaïe 41. From verse 1 to 12. Du premier verset au 12e. Here we find a quick summary of God. Ici on voit un résumé de Dieu. God's redemption. La rédemption de Dieu. Redemption plan. Le plan de la rédemption. If you read it very well, Isaiah 41, from 1 to 12. Lorsque tu le lis du premier verset jusqu'au 12e dans Isaïe 41. You will see God begin to show Israel. Tu vas voir que Dieu a commencé à montrer à Listen, Israël. Listen, I have the provision for you. J'ai la provision pour toi. I have prepared things for you. J'ai préparé des choses pour And toi. And he began to tell them things. Et il a commencé à leur dire des choses. And he's talking to the remnant, the rest, the remnant of the Israelites. Il parlait aux restants des Israélites. Those who came out from the wilderness. Ceux qui sont sortis du désert. He's talking to them. Il est en train de leur parler. About the future plan. Pour le plan futur, le plan à venir. The thing that he has for them. Les plans qu'il a pour eux. And if you read the entire book of Isaiah. Et si tu lis tout le livre d'Isaïe. You will understand this. Tu vas comprendre ceci. God is talking to Isaiah. Dieu parle à Isaïe. In chapter 41. Dans le chapitre 41. He's giving them a two big word. I want you to write for those who are writing. Il leur a donné deux grands mots. Vous pouvez l'écrire. He's giving them a comfort, my daughter. Il leur donne un réconfort. He gives them a comfort. Il leur donne un réconfort. That means he's giving them the relief. C'est-à-dire qu'il leur donne une certaine he's giving them a consolation. Une consolation. And he's giving them the reassurance. Et il les assure encore. The people were facing the reality of life. Parce que les gens étaient devant la réalité de the la vie. The people were going through a difficult time. Ils étaient en train de passer un temps difficile. Many times we're in captivities. Plusieurs fois lorsque nous sommes and en captivité. And sometimes they were oppressed. Et des fois ils étaient oppressés. And all those things was a real life for them. Et pour eux, toutes ces choses étaient la vraie vie. And as a result, some of them lost faith. Et en résultat, certains d'entre eux ont perdu la foi. And some of them began to change their mind. Et d'autres ont commencé à changer leurs pensées. But God will come back in the book of Isaiah 41 and speak to them again. Et Dieu est revenu dans le livre d'Isaïe 41 pour leur parler He encore. He gave them two things for those who are writing. Il leur a donné deux choses pour ceux qui He écrivent. He gave them the comfort. Il leur a donné le réconfort. And he gave them the assurance. Il leur a donné l'assurance. Listen, I try to understand why comfort and assurance. Pourquoi on peut dire pourquoi confort et assurance? They both seem very close. Ils ont l'impression d'être très proches. But in the comfort, mais dans le réconfort, God wants to tell them that you know why it is time for you to be relieved now. Alors Dieu veut leur dire que c'est le temps pour vous de vous libérer. Relief from the pressure that you are going through. Être libéré de cette pression. Relief from the trouble that you have been encountering. Par le trouble que vous rencontrez. It is a time for you now to be calm. C'est le temps pour vous de ne pas être calme. You know, you have been fighting so much. Vous étiez en train de vous battre tellement But God longtemps. Is saying to you this morning, mais Dieu te dit ce matin. As he spoke to the children of Israel, comme il a parlé aux enfants d'Israël. I'm bringing you relief this morning. Je t'amène I'm bringing you that comfort, that consolation, cette my consolation. For the month of September. Pour le mois de septembre. And he gave them a second word. Et il leur a donné un deuxième mot. He's giving them assurance. Il leur a donné l'assurance. I asked myself, why assurance? Je me suis posé la question pourquoi l'assurance? Here God is giving them a form of a guarantee. Ici Dieu leur donne une forme de garantie. You know, most of the time when somebody promises you something. Vous savez plusieurs fois lorsque quelqu'un vous promet quelque chose. Not only the promise can be there. La promesse peut être là. But you need a guarantee that promise will be held. Mais vous avez besoin d'une garantie que cette promesse va can être accomplie. Can I say that? Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? You give me a promise. Vous me donnez une promesse. But I need a guarantee. Mais j'ai besoin d'une I need a hope. I need your promise. J'ai besoin d'une votre promesse. That are sitting on something that are making sure that it will happen. Qui demeure sous quelque chose qui m'assure que ça va arriver. So God spoke to Israel. Alors Dieu a parlé à Israël. He said to them exactly this. Il leur a dit ceci exactement. Do not be afraid. N'ayez pas peur. Do not be afraid. N'ayez pas peur. And he tell them do not be afraid. Et il leur a dit n'ayez pas peur. Because he's giving them a guarantee assurance. Parce qu'il leur donne une garantie, une assurance. What was the assurance that God is giving them? Quelle était la garantie que Dieu et l'assurance Dieu leur donnait? The assurance and the guarantee that God are giving them. L'assurance et la garantie que Dieu leur a donnée. It is His word. C'était sa parole. It is His word. C'est sa parole. One may ask, Pastor, what that mean? Quelqu'un peut poser la question, Pasteur, qu'est-ce que Before ça veut I dire? Before I go to my next point, I want to just make you understand this. Je veux juste vous faire comprendre ceci. When a God a promise, lorsque Dieu promet, He just not
just promise. Il ne promet pas seulement. But he stand behind his word. Mais il se tient derrière sa parole. He makes sure that his word will be fulfilled. Il s'assure que sa parole va s'accomplir. Pastor, how you know? Pasteur, comment tu sais? How do you know these things? Comment tu sais ces choses? Jeremiah chapter 1. For those who have time, read from verse 1 to 12. Pour ceux qui ont le temps peuvent lire le livre de Jérémie chapitre 1 de 1 à 12. It is a great conversation between God and Jeremiah. C'est une bonne conversation entre Dieu et Jérémie. But in verse 12, mais dans le verset 12, God spoke to Jeremiah. Dieu a parlé à Jérémie. And he said to Jeremiah this. Et il a dit ceci à Jérémie. The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Je vais veiller à ce que ma parole s'accomplisse. So when God gives you assurance, alors lorsque Dieu vous donne l'assurance, when God gives you assurance, lorsque Dieu vous donne l'assurance, that means he's standing behind his word. Ça veut dire qu'il se tient derrière sa parole. One thing is not to stand. Une des choses est que c'est de se tenir. Some version said this. Et l'autre chose, dans d'autres versions, dit ceci. He's watching. Il regarde. God is watching his word. Il est en train de regarder and sa parole. When God watches his word. Et j'aime quand Dieu regarde sa that parole. That means none of the yota of his word will be go in vain. Ça veut dire que rien de ce monde ne va passer en vain. God promised to bring his people back. Dieu a promis de ramener son peuple. That is the story of Isaiah. Ça c'est l'histoire d'Isaïe. He said, I have chosen you. Il a dit que je vous ai choisi. And I have not rejected you. Et je ne vous ai pas rejeté. So do not be afraid. Alors n'ayez pas peur. Do not be afraid. N'ayez pas peur. For I am with you. Parce que je suis avec vous. And I want to talk a little bit about the first point of my sermon this morning. Alors le premier point de mon message ce matin. Why you should not be afraid? Pourquoi tu ne devrais pas avoir peur? Or one may say, ou un autre peut why dire, I not be afraid? Pourquoi je ne devrais pas avoir peur? There must be a reason why. Il doit y avoir une raison pourquoi. All the month of September, tout le long du mois de septembre, you will not be afraid. Tu n'auras pas peur. Regardless what you encounter, qu'importe ce que tu rencontres, regardless what they said, qu'importe ce qu'ils regardless disent, regardless what's going on, qu'importe ce qui you peut will se not passer, be afraid. Tu n'auras pas peur. Why? Pourquoi? Let us lead you to why. Nous allons vous conduire à pourquoi. I want to talk a little bit about the why. Nous allons parler un peu du pourquoi. You know that I like the children, I mean. J'aime les enfants. When they start learning things. Lorsqu'ils commencent à apprendre les choses. One of the questions they have why. They have a lot of why. Qu'ils ont, ils savent toujours pourquoi. Why and why and pourquoi, why and pourquoi, why and pourquoi. Why. Because they want to know. Parce qu'ils veulent savoir. Amen. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec someone who's sitting and say, Pastor, why should I not be afraid? Quelqu'un peut dire, Pastor, pourquoi je peux pas avoir peur? All the indications are scary. Toutes les choses m'indiquent que je dois avoir peur. All that I'm seeing is very scary. Tout ce que je vois fait en sorte que j'ai peur. The intimidation of the enemy. L'intimidation de l'ennemi. The bill that I'm receiving. You know some bill when you receive. Les factures que je reçois. They put due date. Alors il y a des factures où on dit que la date due. I don't like those statements. Due date. J'aime pas lorsque c'est écrit la date due. And then just after the due date, they put the amount, the big amount. Et en bas de ça, ils mettent le montant, un gros montant. And the indications are not good, Natalie. Et les indications ne sont pas bonnes. Why should I not be afraid? Pourquoi je ne peux pas avoir peur? I don't have the money. Je n'ai pas d'argent. Why should I not be afraid? Pourquoi je ne peux pas avoir peur? The doctor said I have less time to live. Le docteur m'a dit que j'ai me reste peu de temps pour vivre. Why should I not be afraid? Pourquoi je ne peux pas avoir peur? The lawyer is behind my back. The lawyers. Les avocats sont derrière moi. And the owner, the landlord is behind my back. Et aussi le propriétaire est derrière moi. Why should I not be afraid? Comment je peux ne pas avoir things peur? Are tight. Les choses sont things tellement are bad. Serrées. Les choses sont mauvaises. But God said, do not be afraid. Mais Dieu a dit, n'aie pas peur. You know what I love about God? Ce que j'aime de Dieu, vous is savez, the assurance. C'est l'assurance. You know, every time I go to the restaurant with my wife, et chaque fois que je vais au restaurant avec ma femme, if Denise approves to go to the bank, to the restaurant, si elle approuve qu'on doit aller au restaurant, I'm not afraid. Alors je n'ai pas peur. I will go with her. Je vais aller avec elle. Because I know the bill will be paid. Parce que je sais que la facture sera payée. How do you know? Comment tu sais? She always have her phone in her hand. Parce qu'elle a toujours son téléphone dans les mains. She said, "Okay, Daniel, we will take for checking. We move it to saving." Et elle a dit, on va prendre ici, Daniel, on va mover ici, puis on va payer. I'm tranquille, comme on dit en français, tranquille. Je suis tranquille. When Mama Denise is with me there. Lorsque Mama But Denise when I'm est by là. Myself, et mais lorsque je suis seul, I take my wallet, je prends mon portefeuille. I open it, j'ouvre. I check, je regarde. I check, je regarde. And I say, oh, no, why? Et je dis, tu sais quoi? Not today, restaurant. Pas aujourd'hui, restaurant.
Why? Pourquoi? Because I know. Parce que je sais. It's just like you are sitting here. C'est comme seulement vous êtes assis you ici. Know that things are not good. Vous savez que les choses ne vont pas But bien. God is saying to you, mais Dieu vous dit, do not be afraid. N'aie pas peur. All the indications are bad. Toutes les indications sont mauvaises. But God has said, "Do not be afraid." Mais Dieu dit, n'aie pas peur. Why should I not be afraid? Pourquoi je ne devrais pas avoir peur? Can you put back the message, Isaiah, please, my daughter? Isaiah 41. Look at God has said, "Do not be afraid." Et regardez, Dieu a dit de ne pas avoir peur. Why? Pourquoi? For I am with you. Parce que je suis avec toi. Who's with you matter? Somebody Qui know avec that. Toi de l'importance? If I'm on a journey going somewhere, si tu vas quelquefois dans un voyage, who is with me? Qui est avec toi? I'm not talking about just a body, a presence. Je ne parle pas seulement d'un corps présent. Who's with me? Qui est avec toi? Matter. Are you with me, Pastor? A de l'importance. God said, I am with you. Dieu a dit, je suis avec vous. Why should I not be afraid? Pourquoi je ne devrais pas avoir peur? You are walking with the one. Parce que tu es en train de marcher avec celui who knows the direction, qui connaît la direction, who is a sovereign, qui est souverain, who has the power, qui a la puissance, who can change things, qui peut changer les choses, who can change the verdict, qui peut changer les verdicts of any kind, de tout genre. He can change the verdict of a doctor. Il peut changer les verdicts when des docteurs. When the doctor says you die next week, lorsque le docteur dit tu vas mourir God la semaine prochaine, you live. Dieu dit tu vas you vivre. Shall not die, but you live. Tu ne vas pas mourir mais tu vivras. When they say it's impossible for you, lorsqu'on dit que c'est impossible pour toi, God can change it. Dieu peut le changer. I want to talk to someone this morning. Alors j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Do not be afraid. N'aie pas peur. Why? Pourquoi? Because he's with you. Parce qu'il est avec toi. He's with you. Il est avec toi. When we hear those things, lorsqu'on entend ces choses, what are we seeing here? Qu'est-ce que l'on voit ici? We are seeing the sovereignty of God. On voit la souveraineté de Dieu. The reason why you should not be afraid for those who are writing. La raison pour laquelle tu ne devrais pas avoir peur pour ceux qui écrivent. Because of His sovereignty. C'est à cause de sa souveraineté. God is sovereign. Dieu est souverain. You know those who are sovereign, they mean they are above the limit of a decision. Vous savez ceux qui sont souverains, ceux qui sont au-dessus de la limite des décisions. Now, some people can make a decision. Certaines personnes peuvent prendre des décisions. They can put the decision in place. Ils peuvent mettre des décisions en place. But they cannot override it. Mais ils ne peuvent pas les effacer. God can override anything. Mais Dieu peut effacer tout. He's pour sovereign. Écrire tout. Mama, God is sovereign. Dieu est souverain. They spoke. Ils ont parlé. They said. Ils ont dit. They conclude. Ils ont conclu. But he hasn't concluded yet. Mais lui n'a pas encore conclu. He hasn't spoken yet. Il n'a pas encore parlé. He still have the power. Il a encore la puissance. Beloved, when we talk about the God will be with you. Lorsqu'on parle bien aimé que Dieu va être avec vous. Listen to me carefully. Écoutez-moi attentivement. We see his sovereignty. On voit ici sa souveraineté. God has the power. Dieu a la puissance. And he also has the control. Il a aussi le contrôle. You know, some people can have power, but they don't have control. Vous savez, des gens peuvent avoir la puissance, you mais have n'est power, pas avoir but le contrôle. Control things. Vous pouvez avoir la puissance, mais pas le contrôle In des my choses. Country, they have power, but they have no control. Mais dans mon pays, par exemple, il y a des gens qui ont la puissance, mais pas le contrôle. Some of the country side is he has no control. Certaines des choses à l'intérieur, ils n'ont pas de contrôle. You have the power, but you have no control. Vous avez la puissance, mais vous but avez God pas de contrôle. But God has the power and has the control. Mais Dieu lui a la puissance. Et à le contrôle. Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Why should not you be afraid? Why Pourquoi should not... tu ne devrais pas avoir peur? Because God has the power. Parce que Dieu a la puissance. And he has the control. Et il a le contrôle. Even when it seems to be impossible. Même lorsque ça donne l'impression d'être impossible. God has the power. Dieu a la puissance. And he has the control. Et il a le contrôle. Control over what? Le contrôle sur quoi? Let me tell you this. Je vais vous dire ceci. God has the control over the unseen. Dieu a le contrôle sur les choses que tu ne peux pas voir. And the seeing. Et ce que tu peux voir. You know what is dangerous is the unseen. Pour voir, ce qui est dangereux, c'est ce que tu ne peux pas voir. In the unseeing, we don't know nothing. Dans les choses qu'on ne peut pas voir, nous n'avons aucune connaissance. The Apostle Paul said, "We are not fighting against flesh and blood." L'apôtre Paul a dit que nous ne combattons pas contre Our la chair battle et le sang. Spiritual battle. Notre combat est spirituel. When God said, "Do not be afraid." Lorsque Dieu dit de ne pas avoir peur. That means he's in control over every power. Ça veut dire qu'il est au contrôle de toutes les puissances. That you cannot see. Que tu ne peux pas voir. That you cannot touch. Que tu ne peux pas toucher. So God is a sovereign. Alors Dieu est souverain.
That's the reason why you should not be afraid. Et c'est là la raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur. He has the control over the principalities. Il a le contrôle sur les principautés. The power of darkness that are operating. La puissance du ténèbre qui opère. He has the control over dominion. Il a le contrôle sur la domination. He has control over the authority. Il a le contrôle sur l'autorité. So God has control. Dieu a le contrôle. He has the power. Il a la puissance. He can acquire. He can dictate. Il peut dicter. He can rebuke and he can deliver. Il peut faire taire et il peut délivrer. That's why you should not be afraid. C'est pour ça que tu ne devrais pas avoir peur. I want to encourage you this morning, beloved. J'aimerais vous encourager ce matin, bien aimé. God has the power. Que Dieu a la puissance. God can see everything. Dieu peut voir tout. Pastor, where do you see this? Pasteur, où est-ce que tu vois ceci? Can you please take Psalm 139, verse 8? Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Psaume 131, verset? Verse 8 to 10. Verset 8 à 10. And also Psalm 63, verse 8. Those are saying the same thing, my daughter. C'est la même chose. Donc Psaume 131. The psalmist said this. If I go up to the heavens, you are there. Psaume 139. Verse 8 to 10. If I make my bed in the death, you are there. 139. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea. So everywhere you go, God is there, has control over the sea. Alors partout là où tu vas, Dieu est là, il a le contrôle, he has control même sur les eaux. In the darkness. Il a le contrôle dans les ténèbres. Pastor, how do you know? Pasteur, comment tu le sais? David said, oh, that I walk through the valley of the shadow of death. David a dit, même si je marque dans les vallées de l'ombre de la mort, I shall not fear evil. je ne vais pas so avoir God peur has de méchant. Control. Parce que Dieu a le contrôle. Do not be afraid of the darkness this morning. Bien-aimé, n'aie pas peur du ténèbre ce matin. Because God is with you. Parce que Dieu est avec the toi. Month of September, le mois de septembre, you may cross the difficult time, tu peux rencontrer des choses difficiles. But do not be afraid, my daughter, mais n'aie pas peur, ma because fille. God has control. Parce que Dieu a le contrôle. I love this, beloved. J'aime ceci, bien-aimé. The songwriter said this. Le psalmiste dit ceci. Even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Même là, ta main droite me guide et me garde. This is a powerful verse. When I read it, I see the control. Ça, c'est un verset puissant. This morning, I want to encourage you, beloved. Ce matin, j'aimerais vous encourager, bien-aimé. God is in control. Dieu est au contrôle. If somebody say where? Si quelqu'un peut dire où? In heavens. Dans les cieux. He has control. Il a le contrôle. Even when you put your bed down to the deepest darkness area for a tough time. Même si tu passes par des moments très difficiles, God is in control. Dieu est au contrôle. Even when you rise with the wings of the dawn, God is in control. Même lorsque tu es élevé avec le vent, Dieu est au contrôle. Even in the middle of the sea, God is in control. Et même au milieu de la mer, Dieu est au contrôle. I watch a movie. It's like a documentary with Will Smith. I watched it last week. Je regardais un documentaire la semaine passée. The theme, I think, is going back to Earth. Alors le thème était de retour sur la terre. But what they did, they experimented the sea. They just want to know what is in the sea. Alors ils ont expérimenté pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans la mer. And what they did, they actually have a submarine that was in glass. Alors ils avaient un submarine qui était aussi comme un verre en verre, pardon. And then that submarine dropped them down to the deep. They went actually to Hawaii. They went down, way down to the sea. C'était à Hawaii et ils sont allés vraiment très profond dans l'eau. And what was very impressive is the more they go down, the dark the sea will get. So, the more going down. Ce qui était impressionnant, c'est que quand ils allaient dans la profondeur, l'eau devenait un peu plus ténébreuse. And it's dark, it's like a blue, very dark blue. C'était comme un peu bleu. And they realized that there are different light even in the dark. Et même ils ont réalisé qu'il y avait différentes lumières même it's dans les ténèbres. It's a great experiment to that. As I watched, I was like, wow, pendant the wonder regardé, of God. C'était une expérience qui était vraiment intéressante. No matter how dark is the way that you are traveling. Bien aimé, qu'importe les ténèbres dans lesquelles tu es en train de when passer. When we talk about darkness, we talk about the tough time of lorsqu'on life. Lorsqu'on parle du ténèbre, on parle des moments difficiles de la vie. We talk about when things seems to be out of control. On parle lorsque les choses sont hors contrôle. God has said, I'm with you. Dieu dit qu'il est avec toi. I'm with you. Je suis avec toi. I want to encourage you that you are not alone. Je vais t'encourager que tu n'es pas seul. You are not alone. Tu n'es pas seul. Maybe sometimes lonely, but not alone. I said to someone.
Sometimes lonely but not alone. Des fois tu peux être seul mais tu n'es jamais seul. He is there for with you. Il est là avec toi. God will never leave you. Dieu ne va jamais te laisser. People will leave you. Les gens vont te laisser. But God will stand by you. Mais Dieu va rester avec toi. The beauty of God is watching. He's watching my daughter. Dieu est en, la beauté de Dieu ce qu'il est en train de regarder. But sometimes he's too quiet. Et des fois il est très calme. And he said nothing. Il ne dit rien. Nothing. Rien. Is watching. Il regarde. That is the most dangerous part of our life. Et ça c'est le moment le plus dangereux de notre when vie. God is saying nothing. Lorsque Dieu ne dit rien. And he's silent. Il y a le but silence. He's still there for you. Mais il est toujours I là. I want to encourage someone this month. J'aimerais encourager quelqu'un durant ce don't mois. Don't let the devil make you feel like you're alone. Ne laisse pas le diable te faire don't sentir comme si tu es seul. Don't let him make you feel like you have been forsaken. Ne le laisse pas te faire sentir comme don't si tu as été abandonné. Don't make him feel like you have been abandoned. Comme tu as été délaissé. You are not alone. Tu n'es pas seul. He is with you, God. Il est avec Dieu. He said, I will walk with you. Il a dit qu'il allait marcher even avec when you toi. Cross the fire. Même lorsque tu traverses he le said, feu. I will be with you. Il dit que je serai avec toi. Fire will not burn you. Et le feu ne va pas te because consommer. God is with you. Parce que Dieu est I want to encourage you somebody this morning. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. God is with you. Dieu est avec toi. Why should you not be afraid? Pourquoi tu ne devrais pas avoir peur? Because God is with me. Parce que Dieu est avec moi. And I want you to say to yourself, don't look at anybody. Speak alors to yourself. J'aimerais que tu te dises à toi-même, ne regarde let personne. Let the Satan and the wicked know that God is with you. Laisse que Satan et les méchants say God, you are with Dieu me. Dieu est avec toi. Dis Dieu you est avec moi. You promised never to leave and forsake tu as promis me. De ne pas m'abandonner ni de me young délaisser. Young people, as you go back to school, les jeunes gens pendant que vous retournez à l'école, you will not be intimidated by the people. Tu ne seras pas intimidé par your friend will not, will not intimidate you. Tes amis ne vont pas t'intimider. They will not bully you because God is with you. Ils ne vont pas te bully parce que Dieu est avec God toi. God will defend you. Dieu va te défendre. Oh, I need to speak to someone this morning. J'ai besoin de parler à quelqu'un ce God matin. God is with you. Dieu est avec toi. When you can leave this place, say God is with me. Lorsque tu vas quitter ce lieu, dis-toi que Dieu est avec toi. I will not be confused. God is with me. Je ne veux pas être confus. Dieu est avec moi. Are you with me this morning? Amen. God is with you. Dieu est avec toi. But what does mean God is with me? Mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu when est avec we say toi? God is with me, lorsqu'on dit Dieu est avec toi, there's a few things that I want you to take as you go home. C'est quelque chose que nous certaines choses nous allons prendre avant d'aller à la it maison. It symbolizes that His right hand is with you. Ça symbolise que sa main droite est avec toi. His right hand is with you. Sa main droite I est bet avec you, toi. You heard a lot of people say this is my right hand. This person is my right je hand. Je suis sûr que vous avez entendu que beaucoup de gens disent ça, c'est ma main droite, c'est ma main droite. But I prefer God to be my right hand. Mais je préfère que Dieu soit ma main droite. Because some right hand die, some right parce hand forsake, some right hand. Parce que certaines mains droites vont abandonner, vont mourir. But the right hand of God. Mais la main droite de Dieu. Never fail. Ne faillira jamais. Are you with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? I'm trying to give you a message for the month. Please j'aimerais be with me. Vous donner un message pour le mois. When we say God is with me. Lorsqu'on dit que Dieu est avec moi, we mean His right hand. On dit que sa main droite is with him. Est avec moi. When we say that God say don't be afraid. Lorsqu'on dit que Dieu dit n'aie pas peur, we mean that He's sovereign over. Ça veut dire qu'il est souverain. But take this thing before you go home. Mais prends ces choses avant d'aller what à la maison. What is in God's right hand? Qu'est-ce que c'est que la main droite de Dieu? Two things you need to know. Deux choses. Power. La puissance. And strength. Et la force. When we talk about God, a right hand, lorsqu'on parle de la main droite de we Dieu, see the power of God, on parle de la puissance and we de see Dieu the strength of God. Et on parle de la force those de two Dieu. Things are with you. Ça, ces deux choses sont avec it toi. Seems very similar. Ça donne l'air d'être d'une similarité. When we talk about power, lorsqu'on parle de la puissance, now we talk about force, on parle de la force, we talk about control, on parle du contrôle, we talk about energy, on parle de l'énergie, we talk about dominance, on parle de la domination, we talk about privilege, on parle de privilège. When we see the power, lorsqu'on parle de la puissance. Somebody said I'm dealing with a guy is with me. He has power in that situation. Quelqu'un a dit que je fais affaire avec quelqu'un qui a la puissance dans cette affaire. He can take care of things. Il peut prendre that bien soin des choses. That person has the control. Ça veut dire que cette personne a le contrôle. That person has the privilege. Cette personne a un privilège. Then we see the strength. Et là maintenant après on voit what la force. What you mean by strength here? La force, qu'est-ce qu'on veut dire ici now par la force? Now we're moving to another thing. Et là, on passe par autre chose. That person has the intensity, Nathalie. So cette personne a l'intensité. You know, I did physics in school, in university. Vous savez, j'ai fait les physiques dans à l'université. Somebody said to me that force. What is force? Force equal mass times acceleration. If those who went to pour ceux physics. Qui ont fait la physique, la force est égale à la masse. Mass. Time, acceleration. Le temps et l'accélération. So you find a force. Alors tu trouves la force. No matter the mass, no matter what is built. Qu'importe la masse ou qu'est-ce qui est là.
the force has the ability. La force a l'habilité. To move it out, to push it on, to do whatever it can. De le transporter. Regardless of the form. Qu'importe la forme. Regardless of the figure. Qu'importe la figure. Regardless of the frame. Qu'importe la. Regardless of your problem, Natalie. Ou le problème. Your trouble. Your trouble. C'est par quoi tu es en train de passer? All your tribulation. Ou toute la tribulation. God has the force and the ability. Dieu a la force et l'habilité to move that. De pousser cela. You didn't get this. If you got that, vous n'avez you'll pas say compris amen. Cela. Si vous l'aviez compris, vous allez dire amen. Regardless what they place on your journey. Qu'importe ce qu'ils ont mis dans ton regardless chemin. Regardless the problem that you're going through. Qu'importe le problème par lequel tu God passes. God has the provision. Dieu a la provision to move that. De pousser cela. Look at God say something powerful to Zerubbabel. Écoutez, Dieu a dit quelque chose de très puissant à Zerubbabel. And he said, "Who are you, mighty mountain?" Il a dit, qui es-tu, montagne? To stand before my servant. De te mettre devant mon serviteur. Who are you, mighty mountain? Qui es-tu, montagne? If a mighty mountain has no power before God. Si les montagnes puissantes n'ont pas une because puissance God devant has the strength to move that mighty parce mountain. Que Dieu a la force de bouger ces what montagnes. Else God cannot move. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que Dieu ne peut pas bouger? And I asked myself, et je me suis posé la question, what is the power? Qu'est-ce que c'est que la puissance? Somebody else said power is a strength times speed. Quelqu'un a dit que la puissance c'est la force plus la rapidité. That it means that God can move anything. Alors ça veut dire que Dieu peut bouger toute chose. I know some of us seem to be discouraged already. Certains d'entre nous sont peut-être découragés but déjà. But I want to bring you back to see the wonder of God. Mais je veux te ramener à voir les merveilles de Dieu. The Lord is able to deliver you. Dieu est capable de te délivrer. So we covered 2 points already. Alors on a couvert 2 points déjà. The first one we say God is with you. On a dit le premier point c'est que Dieu est and avec toi. And we say why God is with you. On a dit pourquoi il est avec toi. No, the first one we say do not be afraid. La première fois on a dit Dieu n'aie pas peur. Why should not be afraid? Pourquoi tu ne devrais pas avoir because peur? Because God is a sovereign. Parce que Dieu est souverain. God has a power over the seeing and unseeing. Pas Dieu a la puissance sur ce que tu peux God voir et ce que control. Tu ne peux pas voir. Il a le contrôle. And we say the second thing. Et la deuxième chose, that God is with you. Que Dieu est avec toi. That means his right hand. Ça veut dire que sa main droite. And his strength is with you. Et sa force est avec his toi. Power and his strength is with sa you. Sa puissance et sa force est avec toi. Now we want to close by saying this. Et on veut arrêter en disant ceci. Why should I not be afraid? Pourquoi je ne devrais pas avoir peur? Why I will not be alone? Pourquoi je ne serai pas seul? Because his presence will carry you through. Parce que sa présence va t'accompagner. You know what I love about God? I love more about God is his presence. Vous savez ce que j'aime beaucoup de Dieu, c'est sa présence. I know somebody say, Pastor, I feel the presence of God. Je sais que quelqu'un peut dire, je sens la présence de in Dieu. In the midst of adversity, you need the presence of God. Au milieu de cette adversité, tu as besoin de in la présence your life, de Dieu. You need the presence of God. Dans ta vie, tu as besoin de la présence de Dieu. David begged God, I said, do not go away from me. David a dit, ne t'éloigne pas de moi. Moses said to God, if you don't come, we will not go. Moïse a dit à Dieu, si tu ne viens pas, nous allons pas beloved, partir. The presence of God is important in your life. Bien-aimé, la présence de Dieu est importante the dans ta vie. You lack the presence of God, le jour où tu vas manquer la présence de Dieu dans ta vie, hell begin to walk les your life. Portes de l'enfer vont commencer à travailler you dans need ta the vie. Presence of God in your life. Tu as besoin de la présence de Dieu you dans need ta the vie. Presence of God in your family. Tu as besoin de la présence de Dieu dans you ta need famille, the presence of God in your church. Dans ton église. Every time the presence of God go away from you. Et chaque fois que la présence de Dieu s'éloigne de toi, you will begin to experience a lot of trouble. Tu vas commencer à expérimenter beaucoup now de problèmes. Now the same verse part B, Isaiah 41 verse 10, part B, they said this. So le même verset, la partie B dit ceci. And he said, "Do not. I mean, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God." N'aie pas peur parce que je suis ton Dieu. Listen to this. When you have the presence of God, lorsque tu as la présence de Dieu, God wants to guarantee you this. Dieu veut te garantir ceci. He does not say that you will not go through trouble. No, God never promised that. Il ne dit pas que tu vas pas passer par de problèmes. Dieu n'a jamais promis cela. God has said they will fight against you. Il a dit qu'ils vont combattre contre toi. But they will not prevail. Mais ils ne vont pas gagner. That means you will face adversity. Ça veut dire que tu vas rencontrer de l'adversité. But at the end of the day, mais à la fin de la you journée, are the winner. Tu seras le vainqueur. At the end of the day, à la fin de you la are journée, the victorious person. Tu seras la personne victorieuse. So God is telling you this. Alors Dieu se dit ceci. His presence must be with you. Sa présence doit être avec toi. And I want to encourage somebody this morning. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Some of us we feel discouraged sometimes. Certains d'entre nous on se sent découragé des fois. And we feel that God is away, he's not there. Et on sent comme si Dieu est loin, il n'est pas là. I want to say this.
Mais je veux dire ceci. Even when it seems to be invisible. Et même lorsque il a l'air d'être invisible. From your physical sight. De tes yeux physiques. He is present. Il est présent. How do you know? Comment tu le sais? You're still alive. Tu es toujours vivant. You are eating in the midst of adversity. Tu es en train de manger dans l'adversité. Your children are protected. Tes enfants sont your protégés. Your house are covered. Ta maison est even couverte. In the midst of pain, Natalie. Même dans la douleur. God is there. Dieu est là. God is present. Dieu est présent. He is your strength. Il est ta force. He is the one who's watching over il you. Il est celui qui veille sur toi. I tell you this. Je te dis ceci. No doubt. Every time the plane go to a turbulent zone. Lorsque l'avion passe par des zones de turbulence. I was just saying the name of Jesus. J'étais seulement en train de dire le nom de in Jésus. In the name of Jesus. Je disais dans le nom de Jésus. And then you will see peace. Et tu vas voir la paix. Yeah. And the pilot say, "Listen, guys, put your seatbelt because we're passing." Et le pilote va dire, mettez vos ceintures parce qu'on est en train de passer par une turbulence. I put mine, but in the name of Jesus. Je mettais la mienne, mais je disais dans le nom de Jésus. You know, there's a difference when you do 3-hour flight, but when you have a 14 up there, you start having all those things. Un voyage de 3 heures, mais lorsque c'est 14 heures, God is with you. Dieu est avec toi. Even in the turbulent zone, God is there. Même dans les zones de turbulence, and most Dieu of us là. Are going to a turbulent zone. Et plusieurs d'entre nous passent in your dans marriage, in the life of your children, dans in your mariage, study. Dans la vie de tes enfants, dans but tes God études. Is with you. Mais Dieu est avec toi. God is with you. Dieu est avec toi. I want you to know this. God is j'aimerais with you. Que tu saches que Dieu est avec toi. Don't wait for any prophet come to knock your door. Say God is with you. God is with you. Faut pas attendre pour un prophète de venir frapper à la porte pour te le dire. Listen, Dieu est Natalie, avec toi. I love this verse. God has said this. J'aime ce verset que Dieu dit. The angel of the Lord. Que l'ange de Dieu. Walk around and camp around those who fear him. Campe et marche tout autour de ceux qui le craignent. God is with you. Dieu est avec toi. You may not see him. Tu peux ne pas le voir. He's there. Mais il est là. He's watching. Il regarde. He's fighting. Il est en train de combattre. I love this man of God. J'aime cet homme de Dieu. The man of God called Renard Bonnke. Cet homme de Dieu qui s'appelle Renard Bonnke. Renard Bonnke was in the store buying some groceries. Il était dans un magasin en train de faire des achats. And he went to cash in his grocery. Et il est allé pour payer. As I approached the cashier. Pendant que ça, il approchait pour payer. And the cashier looked at Renard Bonnke in his eyes. Et la caissière a regardé Renard Bonnke dans les yeux. And he shouted, dans les yeux, the fire in your eyes. Et elle a dit, il y a le feu dans tes yeux. Renard Bonnke said, the God was in me. Elle lui a dit, le Dieu qui est en moi. Sometimes he comes up like that. Et des fois il sort comme ça. For those who want evil from me. Pour ceux qui veulent me faire du mal. Your God is inside. Ton Dieu est à he's l'intérieur. He's fighting those who fight against you. Il est en train de combattre ceux God qui te combattent. God is with you. Il est avec toi. He will never leave you alone. Il ne va pas te laisser he's protecting seul. Your life. Il est en train de protéger he's preserving ta vie. Your life. Il est en train de préserver he's watching over your life. Il regarde ta I vie. Don't know about you, but I close here, je beloved. Sais pas pour toi, mais je vais finir ici, we will continue next time with the next verse. Et on va continuer la fois prochaine the, avec d'autres the next point, we will continue next time. On va continuer la prochaine fois. But let me close by saying this. Mais laissez-moi finir en disant what ceci. Is the evangelical peace? Quel est l'avantage de la paix? What is the evangelical approach? Quelle est l'approche évangélique? I want to tell somebody today. Je veux dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Without God, sans Dieu, you are nothing. Tu n'es rien. Without God, sans Dieu, you are lonely and alone. Tu es seul. Without God, sans Dieu, you are powerless. Tu n'as pas de puissance. Without God, sans Dieu, you are lost. Tu es perdu. Without God, sans Dieu, you are in trouble. Tu es dans des problèmes. But with God, mais avec Dieu, you are more than a conqueror. Tu es plus qu'un with God, avec Dieu, you cannot fight any battle. Tu peux combattre with n'importe God, quel combat. Avec Dieu, you can make it again. Tu peux le arriver with God, encore. Avec Dieu, you will succeed. Tu vas réussir. With God, avec Dieu, you will be victorious. Tu vas être victorieux. I want to remind you this day. Je vais te rappeler ces if choses. You are sitting here, si tu es assis, or you are watching us, ou tu es en train de nous suivre, you are walking by yourself, tu es en train de marcher toi-même, you are in the dangerous spot. Tu es dans un endroit dangereux. Alone, you cannot make it in this life. Seul, tu ne peux pas y arriver dans ce. You dans need cette God. Vie. Tu as besoin de Dieu. Never alone, beloved. Ne sois jamais seul. For those of us who are in Christ Jesus, pour ceux qui sont avec Christ, we are not alone. Nous ne sommes pas it may be troublesome. Il peut y avoir peut-être des troubles. But we have a God. Mais nous avons Dieu. As we enter the month of September. Pendant que nous entrons dans le mois de septembre. You say to yourself, I'm with God. Tu te dis à toi-même, and je suis say, avec God. And you say, God is for me. Dieu est avec moi. Who shall be against me? Qui sera contre the moi? The Apostle Paul said, God is with me. L'apôtre Paul a dit, Dieu est avec moi. As he faced all the trials. Pendant qu'il était en train de passer à travers God tous les problèmes. God was with him. Dieu était avec lui. God was with him. Dieu était avec lui.
I want to start by saying this. Je viens m'arrêter pour dire ceci. God is with you. Dieu est avec toi. Who believe that God is with you? Qui croit que Dieu est avec lui? Who believe that God is with you? Qui croit que Dieu est avec lui? Come on. Lift up your hand if you believe today. Lève ta main si tu crois que Dieu est avec toi. The enemy wants to tell you otherwise. L'ennemi veut te dire autrement. But today. Mais aujourd'hui. God is with you. Dieu est avec toi. We will go to the 1st of September today. Nous allons passer par le 1er septembre aujourd'hui. With a very bold statement. Avec un témoignage ou une façon de dire quelque chose très I am audacieux. Never alone. De dire que je ne suis jamais I seul. Will never be alone. Je ne serai jamais seul. I will walk with your Father. Je vais marcher avec toi, Père. I will live with your Father. Je vais vivre avec toi, Père. In everything that I do. Dans tout ce que je vais faire. In everything that I said. Dans tout ce que je veux dire. I will never be alone. Je ne veux pas être seul. Why? Pourquoi? Because you are with me. Parce que tu es avec moi. And David said, "You are with me." Et David a dit, tu es avec moi. The rod and the staff are comforting you. Que le Seigneur est en train de te réconforter. He is the one who's watching over your life. Il est celui qui veille sur ta vie. All our heads bowed, we pray together. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier ensemble. We will all stand. Please stand with me as we pray. Si nous allons, nous pouvons nous tenir debout pendant que nous allons and prier. And I want you, please, all of us, walk in the altar, walk together as we make a statement of the month. We are entering this month. All together, we are coming together. Please come quickly si vous, on as peut our tous time is about to pendant go. Que nous allons faire la déclaration pour le mois. We will not we will make a statement of faith. Nous allons faire une déclaration nobody de foi. Sit and everybody come before come in que the front. Personne ne reste assis si vous we will make venir. A statement of faith today as a church. Nous allons faire une déclaration de foi comme never alone Father. Jamais seul Père. Never alone God. Jamais seul for the month of September Father. Pour le mois de septembre, we will experience your miracle, God. Nous allons expérimenter we will experience your power, Father. Nous allons expérimenter ta beloved, puissance. I want you to open your mouth and pray with me. Bien-aimé, j'aimerais que tu ouvres do ta bouche be quiet et que and pray avec today. Moi. Say never alone. Ne sois ferme pas ta bouche. Say God, as I enter the month of September. Durant le mois de septembre. As I enter the month of September. Pendant que j'entre dans le mois de septembre. On the first day of this month. Pour le premier mois, le premier jour de I ce declare mois. I am never alone. Je déclare que je ne suis pas I seul. I claim the month of September. Je réclame le mois de septembre. It is my month of victory, Father. C'est mon mois de victoire. I will give a birth to my success. Je vais donner naissance à mon succès. I will give a birth to my victory. Je vais donner naissance à ma victoire. I will give a birth to my dreams. Je vais donner naissance you à mes rêves. I want you to pray. Don't wait for somebody to pray for you. Mais n'attends pas pour personne. Come pour on, let us pray together. Pray with me. Prie avec moi. Éternel, nous te bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que nous allons entrer dans ce mois de septembre, éternel Yahweh. Nous venons déclarer, Seigneur Papa, nous venons déclarer avec force et avec autorité, Seigneur, que durant tout le mois de septembre, tu vas être avec nous. Que tu vas marcher avec nous, Seigneur. Que tout ce que nous allons accomplir, nous allons le faire avec toi, Seigneur. Toi, tu vas nous guider, Seigneur. Tu vas faire le pas et nous allons te suivre, éternel. Tu vas marcher au-devant de nous, éternel, mon Dieu. Tout ce qui va se passer dans nos vies, Seigneur Yahweh, toi, tu vas être avec nous. Même s'il y aura de l'adversité, Seigneur, même s'il y aura un vent qui va souffler, éternel Yahweh, nous savons que tu es avec nous et nous n'allons pas avoir peur, éternel Yahweh, parce que tu es avec nous. Nous n'avons pas à avoir peur, Seigneur, parce que ta force, Seigneur, ta main droite et ta puissance nous accompagnent, éternel Yahweh. Yahweh, nous te faisons confiance durant ce mois de septembre, éternel. Nous savons que c'est notre mois de victoire, éternel Yahweh. C'est dans ce mois que nous allons donner, Seigneur, naissance à tout ce qui est à nous, éternel Yahweh. Tout ce que nous avons attendu depuis janvier, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que nous allons donner naissance à cela durant le mois de septembre. Tout ce que nous attendons, éternel Yahweh, l'onction que nous désirons, Seigneur, la percée que nous désirons, Seigneur, la croissance que nous désirons, Seigneur, la guérison que nous attendons, Seigneur, Papa, la victoire que nous voulons obtenir, et Seigneur Yahweh, nous savons que durant le mois de septembre, nous allons l'avoir. Nous savons que cela va s'accomplir durant le mois de septembre parce que c'est notre mois, Seigneur, de victoire. C'est dans ce mois que nous allons donner naissance à notre vie. C'est dans ce mois que nous allons donner naissance aux fruits dans nos vies. C'est dans ce mois que les choses vont prendre la forme. C'est dans ce mois que les choses vont s'accomplir. C'est dans ce mois que les portes vont s'ouvrir. C'est dans ce mois, éternel Yahweh, que les choses vont changer. Que dans ce mois, les guérisons vont s'accomplir, éternel Yahweh. C'est à quoi nous nous attendions, Seigneur. Nous allons
attendre, Seigneur, sur moi. Et ça va prendre vie durant le mois de septembre. Parce que tu es avec moi, Adonai. Parce que tu es avec moi. I want you to pray with me, beloved, to pray with me. Open your hand, open your chest. J'aimerais que tu pries avec moi, ouvre tes mains. Young people, for those who are going back to school. Jeunes gens, pour ceux qui rentrent à l'école. Teachers and all that are in the school system. Professeurs et tous ceux qui sont dans les systèmes de l'école. All that are in the school system. Tous ceux qui sont dans les systèmes. I want you to open your hand as you pray with me. J'aimerais que tu ouvres tes mains pendant que tu pries avec moi. It is the beginning of a journey that you are going through. C'est le début d'un chemin par lequel vous allez passer. It is another cycle of the year. C'est un autre cycle de la vie, de l'année. As you're about to go back to school. Pendant que vous allez retourner à l'école. I want to pray all parents, everybody standing, don't sit down, all about, we're together standing, we're nous praying. Allons prier tous ensemble si on peut tous être restés. You know, decrees are very powerful things. Vous savez, les décrets sont des choses très importantes. When we make a decree, lorsque nous faisons des décrets, the decree are not just taking place in this life. Ces décrets prennent pas seulement vie dans cette vie. But in the spiritual life also, the decrees are taking place. Mais elles prennent aussi place dans les vies spirituelles. We want to pray for those children. Nous allons prier. Some are going back to university. Certains vont à l'université. Some are entering university. Certains vont à l'université. University and school became now a place that the enemy are operating badly. Les universités et les écoles sont maintenant des endroits où l'ennemi opère très puissamment. Our children going to university are now coming back as they're supposed to. Et nos enfants vont à l'université et ne reviennent pas comme ils se doivent. They may get the intelligent, but they lose the sight. Ils sont en train de se perdre eux-mêmes en allant à l'université. We want to pray for our children. Nous allons prier pour those nos enfants. Those who are going to university. Pour ceux qui vont à l'université. Beloved, I want you to pray with me. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Feel the pain of a parent losing a child. Ressens la douleur d'un parent qui a perdu un enfant. I want you to pray with me. J'aimerais que tu pries avec all moi. The children, all the people, the children are going to school. Tous les enfants qui vont retourner à l'école. Those who are going to university, college, and going to a high school or any level of school. Ceux qui vont tous de retour à l'école, à l'université, à l'école secondaire, au collège. Today, as a father. Aujourd'hui, comme un père. As a pastor. Comme un pasteur. I'm standing in the gap of father. Je me tiens dans un. All the hands that are open today, father. Tous les mains qui sont ouvertes aujourd'hui, père. Je déclare et je déclare. They are under your shadow, Father God. Qu'ils sont sous ton ombre. They are under Father your shelter, Father. Qu'ils sont sous ton ombre. They are protected by you, Father God. Qu'ils sont protégés par toi, Père. I declare all our children, je déclare que tous nos enfants, Père. They will not walk alone, Father. Ils ne vont pas marcher seuls. They will not be alone, Father. Ils ne seront pas seuls. Your presence shall not depart from them, Father. Ta présence ne va pas quitter devant eux. May you cover them, Father, today. Que tu les couvres aujourd'hui. All that are going back to school, tous ceux qui retournent à l'école. I declare your protection, oh Father. Je déclare ta protection, against Père. Against all intimidation, oh Father. Contre toute intimidation. Against all manipulation, oh God. Contre toute manipulation. Against all work of the enemy, Father. Contre toute œuvre de l'ennemi. They shall not, oh God, pull away by Satan. Qu'ils ne soient pas enlevés, Seigneur, par le péché. They will not, oh God, be intimidated, oh God, seduced by the enemy. Qu'ils ne soient pas intimidés par l'ennemi. I decree today, Father. Je déclare aujourd'hui, they Père. They are covered under the blood of Jesus. Qu'ils sont couverts sous le sang protect de Jésus. Protect our families, God. Protège nos familles. Protect our children, oh Father God. Protège nos enfants, Père. As they about to go back to school. Pendant qu'ils vont retourner à l'école. They shall find the favor, Father. Qu'ils trouvent faveur, Père. Before the teachers, God. Devant les professeurs. Or the school system, oh Father. Devant tous les systèmes de l'école, favor, papa. Qu'ils trouvent la you faveur. Shall protect them against all the evil, Father. Que tu les protèges encore des méchants. I declare and decree, Father. Je déclare et je décrète. That your spirit, oh God, will lead them, oh Father. Que ton esprit va aller give avec them eux. Them a spirit of excellence, oh Father. Donne-leur un esprit d'excellence. The intelligence of Daniel, Father. L'intelligence de Daniel. The favor of Joseph, oh God. La faveur de Joseph. The grace of Ruth, Father. La grâce de Ruth. As they walk through the journey, Father. Pendant qu'ils marchent. Today I come against every satanic influence. Aujourd'hui, je viens contre toute influence satanique. I banish all the plan of the enemy. Je bannis tous les plans de l'ennemi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Our children are underneath your God, your blood. Nos enfants sont sous couverts par ton sang. They are protected by your Father. Ils sont protégés par I toi, Père. I cast every spirit of a fear, Father. Je cancelle tout esprit de peur. They shall not be afraid, Father. Ils n'auront pas peur. Your spirit will lead them, oh God. Ton esprit va les conduire, Père. Now I pray, Father. Maintenant, je prie.
For those who are in the school system, Father. Pour ceux qui sont en train de travailler dans le système de l'école. Teachers and all the school system, Father. Les enseignants et tous ceux qui sont dans le May système. May your blessing and grace be upon them, Father. Que ta bénédiction et ta grâce May soient sur eux. May you protect them against the difficult children, oh God. Que tu les protèges contre les enfants difficiles. May you preserve them against the attack of the enemy, Father. Que tu les préserves contre les attaques des ennemis. I bless you, oh God. Je te bénis, and Seigneur. And I bless your people, oh Father. Et je bénis ton peuple. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now all of us, we open our hands together. Maintenant tous, nous allons élever nos ouvrir you nos pray mains. That the month of September. Nous allons prier que le mois de septembre. Though that it may be critical. Même si ça peut être critique. But you will succeed to that all. Mais que tu vas réussir à travers le mois. That what you're carrying inside. Que ce que tu transportes à l'intérieur will be, de toi. Will come to fulfillment. Va venir à un accomplissement. Regardless of who's standing before you. Qu'importe qui se tient Beloved, devant toi. Pray with me, say God. Bien-aimé, prie avec moi, dis I Dieu. I take possession of the month of September. Je prends possession du mois de septembre. I enter the month in your name. J'entre dans ce mois avec ton nom. On the first day of this month. Par le premier mois de I declare and I decree. Je déclare et je décrète. I will be the head and not the tail. Que je serai la tête et non la queue. I will be succeeding in all I do. Que je vais réussir dans tout ce que je fais. Blessed on my way in and my way out. Béni dans mon entrée et à mon sortie. Everything that I touch will prosper. Que tout ce que je touche va prospérer. I declare and I decree. Je déclare et je décrète. Satan is under my foot. Que Satan est sous mes pieds. All the weapons formed against me. Toute arme forgée contre moi. Through the month of September. Durant tout le mois de septembre. Will have no impact. N'aura aucun effet. Will not succeed. Ne va pas réussir. Today I pray in the name of Jesus. Aujourd'hui je prie dans le nom I de Jésus. I declare the month of September for me. Je déclare le mois de septembre is pour moi. Is blessed. Et béni. Is prosperous. Et prospère. Is blessed. Elle est bénie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I bless my house. Je bénis ma maison. I bless my family. Je bénis ma famille. I bless my marriage. Je bénis mon mariage. I bless my city. Je bénis ma ville. The month of September. Le mois de septembre. Is blessed for us. Est béni pour nous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Father. Now I pray God. Maintenant je prie Dieu. As a shepherd. Comme un berger. A pastor. Un pasteur. A servant of yours, God. Un serviteur. And I bring all the people that are standing before me, God. Et j'amène tout le peuple qui se tient devant And moi. Those who are connected to God. Et pour ceux qui sont connectés aussi. As I pray today. Pendant que je prie aujourd'hui. That this month, oh Father, has been decreed and declared. Que durant ce mois nous déclarons et nous décrétons. A month that they will never be alone. Un mois dans lequel ils ne seront pas they seuls. They shall walk, God, with you, Father. Qui marchent avec toi. On the day out as the day in, Father. Et lorsqu'ils sortent comme As they rise up as they lay their body to bed, rest. Lorsqu'ils se lèvent et They shall se see your wonder, God. Qu'ils voient tes merveilles. You will be manifested in every area, Father. Que tu te manifestes dans tous les Sickness domaines. And disease will have no impact. Que les maladies n'ont aucun impact. Witchcraft and divination will have no impact. Que les tribulations et les sorciers n'ont aucun impact. And I declare blessed, God. Et je déclare béni, Père. Those who are standing before me today. Ceux qui se tiennent devant moi aujourd'hui. As I pray. Pendant que je prie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 If you believe, clap your hand amen. And give God a thanks. Croyez, amen, 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 amen. Thank you. Thank amen. You so much. Merci. Thank you. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Was someone blessed this morning? Je ne sais pas vous concernant, mais moi j'ai été très bénie ce matin. I don't know for you, but I was really blessed. Et Dieu nous a fait du bien ce matin. And God has done us some good this morning. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions arroser la bouche qui est sortie. And this morning, I would like for us to bless the word that came. Parce qu'il a été obéissant. Because he was obedient. Parce qu'il a honoré le Seigneur ce matin. Because he honored the word this morning. J'aimerais que tu puisses morning. Étendre ta main vers l'homme de Dieu. I would like for you to put your hands towards the man of God. Père, nous sommes infiniment reconnaissants ce matin. Père, we are grateful this morning. Merci de nous avoir nourris ce matin. Thank you for nourishing us this morning. Merci pour l'obéissance de ton serviteur. Thank you for the obedience of your servant. Tu as dit, vous me servirez. You said that we shall serve you. Je vous bénirai.
And then I will bless you. Tu as dit, je bénirai votre pain et votre eau. You said that you bless our bread and our water. Alors nous te prions, Seigneur, que tu te souviens de ton serviteur. So we pray, Lord, that you remember your servant. Que sa vie soit bénie. That his life be blessed. Que sa maison soit bénie. That his house be blessed. Que son ministère soit béni. That his ministry be blessed. Seigneur, qu'il vive tes wonders. That he may live your wonder. Et qui vive de ta gloire. And that he lives with your glory. Fais-lui du bien. Do him some good. Il a été obéissant. He was obedient. Alors je te prie, fais-lui du bien. So I pray, Lord, that you do some good. Seigneur, couvre-le par ton sang précieux. Cover him by your holy blood. Garde-le fidèle. Keep him faithful. En ce temps que les jours sont mauvais. In this time where the days are bad. Garde-le fidèle à toi. Keep him faithful to you. Enfin, qu'il demeure toujours cette bénédiction pour nous. So that he remain this blessing for us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, je vais inviter l'équipe de la louange de venir. On va pouvoir donner avec joie pendant so que. Call up on the worship team to come, and we're going to give joy. Je vais pouvoir donner des annonces et on va préparer nos offrandes. And I'm going to give the announcements as we're preparing for our offerings. Alors, comme vous avez, la machine Interact est juste en arrière. So as you may know, the Interact machine is in the back. Mais nous avons différentes façons de pouvoir donner. But we have different ways to give. Nous avons par courriel, par chèque, en we personne. Can give through email, in person. Alors by il check y a différentes façons de pouvoir donner. We have different ways of giving. Alors comme le pasteur l'a si bien annoncé pour ce mois, le thème de ce mois. So as the pastor said very well that the theme of this month. Jamais seul. Never alone. Jamais seul. Never alone. À l'école comme au travail ou partout on se tient, nous savons que nous ne sommes pas seuls car Dieu est avec nous. Everywhere we'll be, we know that we're not alone because the Lord is with us. Amen. Alors, chaque dimanche nous nous retrouvons en ces lieux, nous avons deux cultes. So every Sunday we gather here and we have normally two services. Alors nous avons le service en français et en anglais, mais nous commençons par le service en anglais qui commence à 9h. We have the English service that starts at 9. Chaque premier dimanche du mois est un service bilingue. And every first Sunday of the month is a bilingual service. And the last one as well, right? Et le dernier dimanche du mois est aussi un service bilingue. And the last Sunday of the month is also a bilingual service. Par contre, le deuxième et le troisième, ce sont des services en français et en anglais. And in during the middle of the month, we have service in English and in French. Et si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas venir ici, le service se fait en ligne aussi. Nous avons la chaîne YouTube. And if you can put your find yourself able to come in church, you can also follow online. Les Kodim est ouvert à partir de 4 à 12 ans. So Sunday school is open from age 4 to 12. Et ça commence à partir de 11h jusqu'à midi pour les enfants des Kodim. So it's every Sunday at 11:30 to 12:30. Et le dernier dimanche du mois, les enfants récitent la parole. And the last Sunday of the month, we have children that will cite the verse of the month. Chaque mardi, nous avons l'étude biblique qui se fait en ces lieux. And every Tuesday we have Bible study. Et comme nous sommes une église bilingue, nous avons la partie, nous avons en français et en anglais. So we have the first service at 7 for French and 8 p.m. for English. Et c'est un round table. So it is a round table. Table ronde. Table ronde. Et vous êtes invité de pouvoir envoyer vos questions, poser vos questions. So you are all invited to can send your question and as you're following, you can also ask questions. Mais aussi joindre le service. Amen. Nous le joignons physiquement. So you can join the service physically. Comme en ligne aussi. Or also online. Nous avons la prière qui se fait, la prière corporative qui se fait du lundi au vendredi. And then we have a corporate prayer that starts from Monday to Friday. Et cela se fait au téléphone à partir de 5h30 le matin jusqu'à 6h30. And so that happens every day from Monday to Friday, 5:30 a.m. to 6:30 a.m. Vous avez les informations qui sont là pour pouvoir vous connecter. You can also see the number up here that you can connect. C'est seulement une heure de prière. It's only 1 hour of prayer. On commence lundi, back to prayer. Amen. Alors, pour ceux qui veulent s'entretenir avec le pasteur, and for those that want to meet the pastor, vous devez prendre rendez-vous.
You have to take an appointment. Papa Eddie qui s'assoit juste derrière le pasteur, est-ce qu'il peut lever sa main? Brother Eddie is the one you should. Si jamais vous voulez vous entretenir avec le pasteur, vous pouvez voir le frère Eddie pour pouvoir prendre rendez-vous. So you can see Brother Eddie to see if you want to take an appointment to meet the pastor. Pour le mois de septembre, nous allons pouvoir avoir nos 3 jours de jeûne et prière. So for the month of September, we are going to have our 3 days of fasting and prayer. Ça va commencer du 25 au 27 septembre. Starting September 25th, 26th and 27th. Et ce dernier jour où nous allons pouvoir ouvrir notre jeûne, nous allons aussi avoir une nuit de prière. And on the 27th, we are also going to have a night of prayer. Et la nuit de prière se commence en cellule à partir de 10 heures le soir. So the night of prayer will be on September 27th, starting at 10 p.m. Pour le mois d'octobre, nous avons notre gala qui arrive. So for the month of October, we have the anniversary celebration of the church. Alors nous sommes en train de célébrer 15 ans. We are celebrating 15 years. Pour ceux qui sont parents, avoir un enfant de 15 ans, ça veut dire qu'il a vraiment grandi, il est indépendant. For those that are parents, when you have a child at 15 years, he has grew. Et l'Éternel a été tellement bon avec nous. And the Lord has been so good with us. Et nous voulons lui rendre action de grâce. And then we want to give him back glory. Et une autre façon de pouvoir le rendre action de grâce, c'est pouvoir soutenir ce gala. So another way of giving thanks to God is by supporting this gala event. Nous allons pouvoir avoir des billets. You will have tickets. À chaque fois que nous vendons des billets, ce n'est pas seulement un plaisir de pouvoir vendre un billet parce que nous voulons juste avoir. Ben c'est vrai que nous avons besoin d'argent. So every time we sell a ticket, it's not just because we need money. Non, nous avons besoin d'argent. We need money. Yes. Mais la raison pour laquelle nous vendons des billets, il y a toujours 2 objectifs là-dessus. But the reason why we sell those tickets is because we have 2 objectives. Alors dans ce gala ici, la première objectif c'est de pouvoir rendre grâce au Seigneur. So the first objective in this event specifically is to give glory to God. Nous voulons nous réjouir. We want to rejoice. De la bonté de l'Éternel. From the goodness of God. Mais la deuxième option, And the second objective. C'est de pouvoir soutenir cette œuvre et s'assurer que cette œuvre demeure. And is to support this work and assure ourselves that it remains. Si nous sommes enfants de la maison, if we are children of the house, et nous sommes tous responsables ici, and we are all responsible, nous savons here, que dans nos propres maisons nous payons tout. And we know that in our own house we pay for everything. De l'eau, de l'électricité, you from name it. From water to electricity and everything else. Alors il en est de même avec la maison du Seigneur so aussi. It is the same thing with the house of the Lord. Alors lorsque j'achète mon billet. So when I buy my ticket, je dis à mon église, je nous soutiens. So I said to myself, I'm supporting the church. Et je veux avoir un endroit propre, so that I can have a place that's clean, et qui nous permet de pouvoir grandir dans la foi, which allowed us to come and grow in faith. Voilà pourquoi nous achetons nos billets. That is the reason why we buy tickets. Alors, nous allons pouvoir vous donner plus d'informations dans le montant et tout ce qui va s'en suivre dans la semaine qui commence ici. We're going to provide the information next week on how much and how it's going to go. Et en parlant de ce gala qui arrive, and as we're talking about the event, ça prend beaucoup pour pouvoir avoir un événement qui n'a que quelques heures. So it takes a lot to have an event that's going to only be taking a couple of hours. Et nous venons vers vous en disant nous avons besoin de votre aide. So we come to you saying that we need your help. Peut-être que vous n'avez pas le temps mais vous avez les finances, alors soutenez. So maybe you don't have time but you have the need, the money you can support. Si jamais vous n'avez pas le finance, vous avez du temps, donnez-nous votre temps. And if you have time, you can give us your time. Donnez-nous votre expertise, donnez-nous vos compétences, vos skills que vous avez. Give us the skills, the competence, anything that you know. Alors nous cherchons des gens qui vont pouvoir nous aider dans tout pour que cette soirée soit une bonne soirée. We are seeking for people that can help us in everything so that this event will be a success. Sorry. Le dernier événement que nous avons eu, nous sommes rendus compte que nous avons des papas chefs dans notre église. So from the last event we learned that we have fathers that are chefs. Alors les hommes et les femmes qui peuvent aider dans la cuisine, qui peuvent so cuisiner. So men and women that can help us in the kitchen. Faites-nous don de votre skills. Come and help us with your skills. C'est qui peuvent nous aider à pouvoir mettre en place les chaises et la décoration. Those that can help us with decoration. Nous avons besoin d'aide
Lorsqu'on finit l'événement, nous devons remettre l'église en ordre. Nous avons besoin des gens. When the event is done, we also need help to bring back, put back the church as it was before. Alors, je sais qu'en chacun de nous, nous pouvons faire quelque chose. So I know that inside of each one of us, we can do something. Alors, s'il vous plaît, venons juste ensemble afin de pouvoir faire de cet événement une réussite. So please, I ask if we can all come together so we can have this event be a success. J'ai déjà des gens qui ont commencé à venir à donner leur nom. So I already have some people that started coming to give their name. Vous pouvez voir Papa Eddie en même temps aussi. You can also see Papa Eddie at the same time. Pour nous dire qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez contribuer. To tell us what you can do and how you would like to contribute. Et vous pourrez en parler autour de vous aussi. You can also speak about it around Il y a you. Des gens qui ont de l'argent qui n'ont rien à faire avec. There's people that have money that have nothing to do with it. Et des gens qui veulent chercher des organismes à pouvoir bénir. There's also people that are looking for organization that they would like to bless. Parlez-en aux côtés. Le tax oui. Parlez-en tout autour de vous. So you can speak about it around you. Et aussi nous donnons tax receipt. Reçu d'impôt. And we also give tax receipt. GFCC, le dernier. GFCC will be the last one. Alors, nous ouvrons nos portes samedi et dimanche. We open the doors Saturday and Sunday. Le samedi à partir de 13h à 5h. Saturday from 1 to 5 p.m. Dimanche de 13h à 15h. And Sunday from 1 to 3 p.m. Il nous est demandé de respecter l'ordre. So he has asked of us to respect the order. Et de pouvoir passer vraiment de l'extérieur, prendre un numéro comme tout le monde pour être servi. And if you want to go in, you have to go from the outside and take a number so you can be served. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. We are now at the end of the service. Est-ce que nous avons été bénis d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? La Bible nous dit nous devons donner avec un cœur joyeux. The Bible said that we shall give with a joyful heart. Et nous voulons juste amener nos offrandes avec des acclamations, and avec des chants. We want to bring our offering with acclamations and songs. Alléluia! Est-ce qu'on peut offrir dans la joie? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux offrir tes pas de danse au Seigneur cet après-midi? Alléluia! Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oui, quand je vois la bonté de papa briller sur le toit de ma maison, mon âme célèbre l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Okay, that's good. I thought my mic was not working. I thought
try to boost my voice. But we are blessed, Natalie. We are blessed today. Nous sommes bénis aujourd'hui. As we reach to the end of our service. Pendant que nous arrivons à la fin de notre service. Richard, thank you all the way from Belgium. We are grateful to see you again. Thank you so much. Merci à Richard d'être venu de Belgique. Sister Sandrine, thank you so much for all said, well said. Thank you. Sœur Sandrine, merci pour tout ce que tu as dit, bien we, dit. We will give you all the church a feedback by next week of all things. Nous allons vous donner un résumé de tout ce que pour l'Église. Next week for the our anniversary. La semaine prochaine sur le gala. Church next month. Église le mois prochain. We will consecrate. Nous allons consacrer. Elders. Des anciens. Deacons. Des diacres. And ministers. Et des ministres. In the month of October. Dans le mois d'octobre. It's part of our 15-year anniversary. Ça fait partie de notre 15e anniversaire. So we will have a very busy month of October. Alors nous allons avoir un mois d'octobre très très occupé. We will have a minister will be invited, the churches and friends will come to do the consecration. On va inviter d'autres personnes qui vont venir ici pour faire la consécration. We have about 15 plus people will be consecrated. Il y a à peu près 15 personnes ou plus qui vont être consacrées. So I want to let you know that part of our anniversary will be also the consecration. Alors j'aimerais vous laisser savoir qu'une partie de notre anniversaire va être aussi sur la consécration. So just prepare yourself for the month of October, it will be a good time. Alors préparez-vous pour le mois d'octobre, ça va être un très bon moment. I will speak to Sister Sandrine and all the team, Mama Denise, for the gala as we're planning. Je vais parler à la sœur Sandrine, Mama Denise, pour le gala. We want it to be a time to rejoice with all the church. Nous voulons que ce soit un temps que toute l'Église se réjouit. And we will organize so it cannot be a burden on you, but a blessing to you. On va organiser pour que ça ne soit pas une lourdeur sur vous. Your church is going through some a lot of time, a difficult time. L'Église est en train de passer aussi par des moments difficiles. You can tell when you look around, some people rotating, they come and they don't come, they come and they don't come. Vous pouvez l'observer lorsque vous regardez les gens qui font une rotation, ils viennent and et ils ne viennent pas. Don't come, they don't support, they don't et lorsque give. Les gens ne viennent pas, ils ne supportent pas, donc we ils ne donnent to, pas. We need to start strengthening ourselves, talking to each other. The pastor is doing all those things. Nous devons commencer maintenant à se fortifier entre nous, même comme si le pasteur fait toutes ces choses. So we can have everybody. Pour que nous puissions avoir tout le monde. Our church in attendance, we have all the list of the people, about 200 plus people. Alors l'église, le nombre de personnes qui attendent l'église, c'est à peu près 200 personnes que nous avons. In our attendance and everything that I have. Dans la liste que le pasteur those a. Those who are giving and everybody are coming, going. Pour ceux qui viennent, qui partent et pour ceux qui donnent. But when you come Sunday, we see some people we don't see others. Mais lorsqu'il vient le dimanche, on voit certaines personnes et on voit pas d'autres. I want to encourage you to get your those who are not seeing to come to church. J'aimerais vous encourager ceux que vous ne voyez pas de les encourager à venir à l'église. Pray for your church. Priez pour votre église. The line of prayer is for all of us. Only a few people, because when you log on, I got the report of people who are logging. La ligne de prière c'est pour tout le monde parce que lorsqu'on se connecte, le pasteur reçoit un rapport des gens qui se sont connectés. But most of the leaders and the people in the church don't log on. Most of the people outside are logging. La plupart des leaders et les gens des églises ne se connectent pas, mais c'est plus les gens de l'extérieur. Don't wait for somebody sick in the family or dead to pray. N'attends pas que quelqu'un soit malade dans la famille ou que quelqu'un meure pour que tu pries. I encourage all the leaders and everybody to connect to this phone line. J'encourage tous les leaders de se connecter à cette ligne. I get the report for those who are connected. Je reçois un rapport pour ceux qui se sont connectés. The last thing I want to say is all the leaders today, all the leaders. La dernière chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que tous les leaders aujourd'hui. Head of the ministry and all the pastoral. Les chefs de ministère et tous les pasteurs. And the board, I want to see you after the service. Et le board de pastoral, j'aimerais vous voir après le service. Next week we will send information for those who are in the chat of the church. La semaine prochaine, nous allons envoyer un message pour ceux qui sont dans le groupe chat all de l'église. The leaders, the worker, everyone who work in the church, everyone. Tous ceux qui travaillent et tous les leaders qui travaillent dans l'église. Check your WhatsApp. We will be having a day that we need to meet. It is those are the urgent situation we need to meet. So, c'est pour des situations urgentes, nous allons devoir nous rencontrer. Please don't try to make excuses on that because it's very important. S'il vous plaît, ne donnez pas des excuses parce que ça va être très important. Thank you so much. This is how we merci beaucoup, our c'est service. Ici que nous allons finir le service. We will be praying for those who are sick. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. And those who are grieving.
et pour ceux qui sont en train de pleurer. Those who are celebrating. Oh, this is a good news. Are they here? Okay. Il y a une très bonne nouvelle dans l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Can we clap for the Lord? It's a great news. A good news. A great news and bonne nouvelle. At the end of the service, we have the party outside. All of us will be buying party outside. À la fin du service, il y a les pâtés dehors. Tout today, le monde peut acheter. We wanna thank God. There was a new couple, officially new couple in the church. Il y a un couple officiel à l'église. Every time I see this thing, I give God thanks. I wanna call Regan. And I want to call it Bob Jemima. Can you please come? Alors, j'aimerais appeler Regan et Jemima. Amen. The church who does not celebrate baby and marriage, there must be a problem. We have to celebrate. They're just newly. L'église qui ne célèbre pas le mariage. They're in the process already. Alors, y a un problème. Come on, can we give God thanks? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Amen. Come on. Amen. You know, as a pastor, if I see this day, I'm so happy. Vous savez, comme pasteur, I pray a lot. I pray a lot. For me, I checkpoint my request. I won't pray for this case anymore. Pour moi, lorsque je vois ceci, je marque. Come here, everybody, see. You don't hold anything. Yeah, look at the people. Today we celebrate. Aujourd'hui nous célébrons. Natalie, can you switch a little bit, please? Because they buy the French. Okay, I know you can do it. You get English, I get French. Is that okay? Yeah, good. Aujourd'hui, on célèbre. So today we're celebrating. Il a donné sa dot. Tu as donné sa dot? He went to give his diary. Tu as tout donné. Et la part du pasteur. Did you give everything and even the pastor's part? La part du pasteur. Tu as eu ma part? Ok. Parce que très longtemps, le pasteur ne demandait pas. Et le pasteur ne reçoit pas. Part. Hein, maman? Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. If we don't ask, we don't receive. À chaque fois que tu fais ta dot, mets la part du pasteur. So every time you give your diary, you have also to keep a part for the pastor. Ils ont donné la dot, c'était vraiment une joie. J'ai reçu tout à partir de Kinshasa, le message. I receive all the messages from back home in Kinshasa. Nous célébrons ce couple. And we celebrate this couple. Ancien couple mariage, les familles, nous avons reçu un nouveau couple. So, and all and married. Est-ce qu'on peut se tenir debout en clamant pour Jésus? Stand up and we clap for them. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Tu as le droit de rire parce que c'est so ta part. C'est pour le mariage. Amen, amen. Vous savez, c'est ma joie, you know, de célébrer ce jour. To celebrate this day. Jemima et Regan, c'est un grand jour. Jemima et Regan, it's a good, que l'église célèbre. That the church is celebrating. La famille célèbre. The family celebrates. Et nous célébrons. And we also celebrate. Nous attendons le reste, mais nous sommes déjà, la dot est déjà faite. For the rest, but the nous allons prier pour vous. Est-ce que vous allez we're vous gonna pray ensemble? For you. Yeah. Nous allons prier. And we're gonna pray. Nous allons prier, pasteur Joscar, pasteur, venez ancien, venez, on va prier. Pasteur Joscar et all the pastors, if you can come, so we. Nous allons pray. Prier pour ces couples qui commencent le chemin. We're gonna pray for this couple that's starting the journey. Ils ont décidé d'être ensemble dans le lien de mariage. They decided to be together in marriage. Et ils ont honoré les parents déjà. They honor the parent already. Je sais que le reste nous allons le faire ensemble. And they know that the rest we're gonna do together here. Père, en tant que pasteur et berger, Seigneur oh Dieu. Father, as a pastor and a shepherd. Aujourd'hui, je viens encore imposer mes mains sur Seigneur le couple, Regan et Jemima, Seigneur. I come today and lay my hand again on the couple. Toi, Dieu qui commence, c'est le Dieu qui achève. You are the God who started something and you aujourd'hui, end it. Je les bénis en ton nom, Papa. So today I bless them in ce mariage qui a pris, Seigneur, au Dieu, place dans le niveau familial, Père. The marriage that took place in a family. Et je confirme devant toi et je bénis en ton nom, Seigneur. And I confirm in front of you and I bless que tu les gardes fidèles en toi, Seigneur. That you keep them faithful in you. Que tu sois le corps de Seigneur qui seront Papa, mon roi. That you be the core that will be with them. Lie-les encore d'un commun accord, d'un amour pur. Bind them again with love, pure love. Garde-les fidèles en toi, Seigneur. Keep them faithful. Préserve-les de toutes sortes d'intempéries démoniaques. Preserve them for anything that may come. Aujourd'hui, je les bénis en ton nom. Today I bless them in your name. Et je les déclare, Seigneur, oh Dieu, Père, oh, bénis dans le lien de mariage. And I declare them blessed in the qu'il prospère et qu'il le vit, Seigneur. So that they may prosper la joie and de vivre ensemble dans le mariage. The joy to live together in marriage. J'ai tracé l'île de sang de Jésus, Papa. I put a line of the blood et of Jesus. Et j'ai banni toute manigance de l'ennemi. And I chase away everything from the enemy. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore ensemble? Can we clap again together? C'est bon le mariage. Amen, amen. Aujourd'hui, on ne dit pas que vous embrassez, mais prochainement, on va le faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen, amen. Clap again for Jesus.
C'est ma joie en tant que papa de vivre ces jours. It is my joy as a father to live. Il y a encore à venir enseigner. There's again. Je disais, il y a encore à venir enseigner. I was saying that there's still hope in this place. Seigneur, merci parce que nous tendons vers la fin de ce service. Thank you, Father, because we're going to the end of this service. Merci pour tout ce que tu as fait. Thank you for everything that you've done. Le peuple que tu as aimé, tu as amené enseigner. The people that you have loved and brought in Le this famille place. Que tu as amené enseigner. The family that you have brought in this place. Bénis ton peuple. Bless your people. En quittant ces lieux, accompagne-nous. As we leave this place, go with Et préserve-nous de tout ce qui n'est pas de toi. And preserve us for anything that's not Merci from pour you. La semaine que tu confirmes que nous ne sommes pas seuls. Thank you for this week that you're confirming that we are not alone. Quoi qu'invisible à nos yeux physiques. Even though you are invisible in Mais our tu physical es présent eyes, parmi nous, Seigneur. You are present among us. Bénis-nous encore, Seigneur, en quittant ces lieux. Bless us again as we leave this place. C'est pendant nous décrétons ce mois, le mois de victoire. So we decree that this month is going to be a month of victory. Le mois de la naissance des bénédictions, Seigneur, au Dieu que tu as déjà mis en nous. The month to birth blessings that you already put in us. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Bénis l'offrande, Seigneur. Bless the offering, Lord. Connaissant le besoin de cette église. You know the needs of the church. Touche tout un chacun, Papa. Touch each and every one. Qui a donné aujourd'hui. That gave it today. Et souviens-toi de ceux qui en manquent. And remember those that are lacking. Et multiplie le peu de ce que tu nous as donné. And multiply what you have pour given to us. Pour couvrir les besoins de ton œuvre. So that we can cover the needs of your work. Souviens-toi des orphelins, des malades. Remember the orphans and those that are sick. Les veuves, Seigneur. The widows et des sans-abri, Père. And those that have no place to stay. Souviens-toi des ceux qui sont dans des hôpitaux, Seigneur. Remember those in the hospitals. Et dans les pénitenciers, Père. And those in prisons. Nous plaidons ta grâce. We pray for your grace. Au nom de Jésus. In Jesus. Console ceux qui pleurent. Console those that are crying. Et bénis ceux qui célèbrent leur anniversaire. And bless also those that are celebrating their birthday. Au nom de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci beaucoup, équipe de louange. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Saluez quelqu'un et que Dieu vous bénisse. Merci.